Hey, mon bébé, hey, en fait, tu m'as complètement tué. Qu'est-ce que je peux dire sans te mentionner? Même dans le peu que tu as, tu me comptes toujours dans ton budget. Comment je peux dire, en fait, tu m'as gâté, en fait, tu m'as tué. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Comment est-ce que je peux exprimer ma joie? Comment je peux te dire à quel point je suis content que de tous les hommes de ce village, c'est moi que tu as choisi. Tu m'as pris. Oh, tu es mon parapluie. Para, para, para. Tu es mon parapluie. Para, para, para. Pour cette raison, toute dette que tu auras, on devra te laisser et aller voir notre gouverneur d'État. Vraiment? Parce que notre gouverneur d'État a refusé de faire le nécessaire. Il a refusé de s'occuper de ceux qui l'ont voté et lui donner du pouvoir. Qu'il aille chez lui. En fait, moi et Woudache, si tu es à moi, tout ira bien. En fait, je t'aime. En fait, tu m'as tout entier. Aram Lawa, prends-moi. Tu es le bienvenu. Et c'est ton amour que je veux. Eh où? Tu es ma joie. Eh où? Mon bonheur. Eh où? Mon monde. Oh mon Dieu. Tu es tout pour moi. C'est avec toi que je veux passer le reste de ma vie. Tu m'as tué avec tes mots romantiques. Tu viens de me détruire avec tes mots romantiques. Ibolem. Aninombio. Imbole numokanyam. Eh. Ibola mokamanyam. Écoute, laisse-moi te dire, hein, bébé. J'ai une confession sincère. Vraiment? J'ai une confession à faire. D'accord. Je ne fume pas et je ne fumerai jamais. Je ne fume pas de l'herbe et je ne fumerai jamais de l'herbe. Je ne prends pas la drogue et je ne prendrai jamais la drogue. La seule chose que je vais prendre,
C'est beaucoup d'amour. Vraiment. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi. Je t'aime. Aïe, moi. Mm. Moi, Dioto. Regarde, tout ce que tu m'as, tu as acheté pour moi. Regarde. C'est rien du tout. Hey, oh. C'est rien. Regarde ce jean. Regarde. Oh. C'est rien comparé à ton amour. Tu sais quoi? Non. J'allais te demander ce que tu veux. En y réfléchissant, cette boutique nous appartient. Tu sais que tu as le droit de prendre tout ce que tu veux prendre. Oui. Va là-bas dedans et prends n'importe quoi. Prends tout. Prends tout ce que tu veux prendre. Tu sais que j'ai Ewoji Lelo. Personne ne t'arrêtera. Pas de soucis. Hein? Je le ferai. Je le ferai. Eh où? Je le ferai. Hmm? Tu veux la sardine du thon? N'importe quoi. Waouh. Enfin, la maison. Où est tout le monde? La reine est sortie, princesse. Oh, ok. Montre-moi ma chambre. D'accord, par ici, s'il vous plaît. Après toi. Ebuka, pourquoi est-ce que tu ne peux pas juste me laisser tranquille? Il n'y a aucun moyen pour que toi et moi finissions en tant que mari et femme. Ada, non. Non, Ada. Ada, qu'en est-il de l'amour que nous avons partagé? Je veux dire, le véritable amour que nous avons partagé, les promesses que tu m'as faites, Ada. Qu'est-ce qui ne va pas? Ebuka. Ebuka, j'étais jeune, j'étais naïve, je ne pensais pas tout ça. Maintenant, je suis assez grande pour savoir ce qui est bien pour moi. Laisse-moi juste tranquille. Ada, non. Ada, tu as tort. Ada, je sais que tu es sous l'influence des dires de ton père. Je sais qu'ils ont toujours voulu que tu épouses un homme riche. Oui, c'est vrai, je suis pauvre. Mais ne t'inquiète pas, très bientôt, j'aurai de l'argent et je prendrai soin de toi. Ada, tu es assez vieille pour choisir de choisir Ebuka. Le bouquet pour toi, Ada. Ebuka, mon père avait raison. Il avait raison depuis le début. Une belle demoiselle comme moi mérite d'avoir à ses côtés un homme riche. Ne le crois-tu pas? Ebuka, s'il te plaît, oublie. En fait, dégage. Dégage de ma vie. Ça ne marchera pas. Ada. Oh. Ada, née. Oh, mon Dieu, je suis foutu. Oh, Dieu. Oh. La princesse a complètement changé. On a eu du mal à la reconnaître. Nous étions pour la plupart très déçus. Par son habillement indécent. Ah. N'est-elle pas au courant qu'elle vient d'une famille royale? Ou alors la princesse est une prostituée internationale? Okafor, comment peux-tu dire une telle chose? Tu es un notable dans cette communauté. Tu es un notable dans ce royaume. Ne dis pas des choses qui pourraient mettre les dieux en colère contre toi. Écoute, tu sais très bien qu'une brebis sans berger s'égarera toujours. Sa mère, la défunte reine, était une femme décente, tout comme notre roi l'était. Mais 5 années, depuis que notre reine actuelle a épousé notre défunt roi, elles ne se sont toujours pas parlé, alors qu'il la guidera. Je crois que c'est ça le problème. Est-ce que la princesse n'est pas en bon terme avec la reine? Je ne sais pas vraiment, mais d'après ce qu'Onowu m'a dit, il n'a pas été explicite, mais il m'a assuré que nous devons tous conseiller la princesse, en particulier les membres du conseil, pour la faire comprendre pourquoi elle ne devrait pas s'habiller de la sorte.
Qu'en est-il du problème sur l'héritier du trône? Notre tradition stipule que quiconque marie la princesse sera automatiquement le prochain roi. Et la princesse doit épouser un fils de ce royaume. Tu as raison. Mais ne soyons pas pressés. Tout d'abord, je suis sûr qu'après l'enterrement de notre roi, l'honneur soulèvera ce problème. Et nous allons le régler. Alors la réunion s'est bien passée. Très bien. Merci beaucoup. Tu sais, tu es mon informateur. Mon ministre de l'information. Tu vas me payer. Officiellement, je veux vous présenter Adora. À vous toutes. Elle est de la famille maternelle de la princesse. Elle est ici pour rester. Et notre princesse également. Et ce n'est pas pour dire que vous allez arrêter de vous occuper de la princesse. Je m'attends que vous continuiez à servir la princesse. Je m'attends à ce que vous lui appreniez tout ce qu'elle doit savoir sur comment vivre dans cette maison royale. Je m'attends à ce que vous toutes l'acceptiez joyeusement pendant tout le temps qu'elle restera avec nous en tant que l'un de nous. Vous comprenez? Oui, ma reine. Bien. Vous pouvez partir. Merci, ma reine. Adora. Oui, votre Altesse. J'ai hâte de passer un bon séjour avec toi ici au palais. Pareil pour moi, votre Altesse. Est-ce que c'est trop tôt de demander si tu as des plaintes ou quoi que ce soit? Pas du tout, pour le moment, votre Altesse. Y a-t-il des mesures que nous devons mettre en place pour exciter la princesse? Tout est sous contrôle pour le moment, votre Altesse. Je serai toujours là si tu as besoin de quoi que ce soit. Sois la bienvenue. Merci, votre Altesse. Neka! Neka! Papa? Qu'est-ce qui te retarde? J'ai faim! Papa, je réchauffais la nourriture. Ah ah! Papa? Hein? Qu'est-ce qui entre dans le camp avec cette grosse voiture? Tu attendais quelqu'un? Moi? Attendre quelqu'un qui a ce genre de voiture? Non, non. Hey! Mon fils est de retour! Mon fils! Mon fils! Alors, quoi de neuf? Mon fils est rentré! Mon fils est rentré, regarde-toi! Merci. Merci Seigneur, mon fils est rentré! Mon fils est rentré! Hey! Venez voir, mon fils est rentré! Hey! Hey! Mon fils! Viens! Venez voir, mon grand frère! Hey!
Hey. Hey. Je suis de retour. Ah. Ouais. Les voitures. Tu as vu ça? Salut. Bienvenue. Content de te revoir. Merci, merci. Je suis tellement content de te revoir. C'est aussi le cas pour moi. Tu as bonne mine. Wow. Les États-Unis te vont bien, mon fils. Ouais, bien sûr, tu peux le dire. Tu as bonne mine. Ouais, ouais, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, écoute, je vais tout t'expliquer plus tard. Je les ai même empêchés de travailler. Ces ouvriers me mettaient très en colère. Je leur ai donné tout l'argent que tu m'envoyais, mais ils se foutaient de ma gueule. Voilà pourquoi ils ne travaillent plus. Mais je croyais qu'ils devraient déjà avoir fini cette maison en ce moment. Oui! C'est bon. Mon garçon! Ton fils est de retour. Je suis tellement content de te revoir. Regarde comment ta soeur a grandi. Sœurette, tu n'as pas du tout bonne mine, je te l'assure. Mais tu n'as surtout pas à t'inquiéter, parce que ton grand frère est de retour et je vais te faire rayonner. Regarde, je vous le dis. Mon fils est de retour. Je promets de vous faire rayonner, vous comprenez? Je vais vous faire rayonner. Votre fils est de retour, je vais vous faire briller. Mon fils est de retour. Je vais vous faire briller, mille-feux. Tout ceci vous appartient, d'accord? Voilà. Mon fils est de retour. Oh là là. Hey, allez-y, dansez. Venez voir. Tout ceci, c'est pour vous. Ça fait du bien. Je vais vous faire rayonner. Et plus d'argent. Et plus d'argent. Ça vous appartient. Même plus d'argent. Bonjour Adaora. La princesse requiert ta présence dans ses appartements. Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? Il me manque. Qui te manque? Le roi. Oh. Il est un homme tellement gentil. Si ce n'était pas lui, la vie allait être l'enfer pour ma famille et moi. Il va nous manquer pour toujours. Que son âme repose en paix. Désolée, ne pleure plus, d'accord? C'est bon. Tu as dit que la princesse me cherchait, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Bonjour, princesse. Bonjour, ma reine. Qu'est-ce qui s'est passé hier nuit? Tu n'as pas dormi au palais?
Où étais-tu? Mince. Tu es en train de trembler juste à cause d'une question. Est-ce que tu me caches quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir que tu ne m'as pas dit? Mon père est tombé malade, subitement. Je dois être là pour lui. Oh, je vois. Et tu ne t'es pas dérangée de le dire à qui que ce soit? Tu as quitté le palais seul. De toute façon, je suis désolée pour ton père. Mes prières sont avec lui. Merci. Pas de quoi. Adora, allons-y. Ma princesse. Oui? Vous ne sortez pas avec votre voiture? Non. Mais vous ne connaissez pas ce village. Qui l'a dit? C'est vraiment très risqué pour vous la dire. Ouvre le portail. Ok. Il est très évident qu'elle est sensible. Je dois beaucoup apprendre sur elle pour pouvoir savoir comment la suivre. Hey, tu n'es donc... Ah, j'aime ça. Regarde tout ce que tu m'as acheté. Oh, tu n'es donc, merci. Il n'y a vraiment pas de quoi, belle de ma veille. C'est pour ça que je t'aime. Tu subviens tous mes besoins. Écoute, il y a bien plus de bénédictions qui arrivent. Vraiment? Je suis prêt à sacrifier n'importe quoi et tout ce que j'ai pour toi. Ah, je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Tu sais quoi? Mouah. Mouah. Tu es la plus merveilleuse jeune fille que j'ai jamais rencontrée. Tinet. Est-ce que tu veux que je... tu veux que je... Mais attends. Qu'est-ce que cela veut dire? Mec, ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu menaces? Ok, tu penses que parce que tu es allé te raser, tout sera facile pour toi. Tu me demandes ce que ça veut dire? Tu veux utiliser une barbe bien rasée pour tromper une innocente? Écoute, laisse-moi te dire. C'est moi qui devrais te demander qu'est-ce que tu fous avec la copine d'une autre personne. Je devrais te... Et toi, Adané, donc c'est comme ça que tu es. Adané, donc c'est comme ça que tu es. On t'appelle Adané, mais tu ne te comportes pas comme Adané. Tu te comportes comme une dernière née Adougounou. Tu n'as pas honte? Regarde ce que tu fais avec ce criminel en route. Attends, laisse-moi te demander. Adané, es-tu maintenant une prostituée? Hein? Hé, Afrika, qu'est-ce que tu as dit? Afrika, je ne te laisserai pas m'insulter. Ne l'essaye même pas. Adana, ne le tente pas. Si j'étais toi, j'allais me taire. Parce que cet homme que tu vois ici a déjà giflé une personne noire. Il n'y a pas longtemps. J'ai giflé une personne claire, une personne brune. Il n'y a pas longtemps. Tu es déjà blanche. Si je te gifle, tu deviendras ébène. Qui veut dire noire? Alors ferme ta bouche si tu ne veux pas les ennuis. Je ne m'adresse pas à toi. Je suis en train de parler à ce criminel derrière toi. Adané, pourquoi? Adané, pourquoi me traites-tu de cette façon? Pourquoi? Ne pleure pas. C'est juste parce que, tu sais, toutes les femmes sont comme Adané. Voir quelqu'un comme toi ne peut pas les attirer. Tu es comme un cueilleur de vin. Mais c'est bon. Ton combat sera le mien. Tu es mon homme. Je vais défendre tes intérêts. Regarde-toi. Tu vas me défendre et je vais te défendre. Relax. Adané, dans ce village, tu n'as trouvé personne avec qui rester que ce voyou insiconcis. C'est honteux. Donc c'est avec lui que tu as décidé d'être. Nakrika. Tu es un voleur insiconcis. Nakrika. Ne veux-tu pas? Es-tu vraiment en train de me traiter de voleur? Ok, désolé monsieur. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Pardonne ma stupidité de t'avoir appelé voleur. Tu es un criminel. Oh. Ok, celui-là est petit. Tu n'as pas peur de me traiter de voleur, n'est-ce pas? Ok, tu es un malfrat. Izati Sebasi Nakrika. Imunia Kamaba. Je vais te donner une leçon. Tu ne peux me donner aucune leçon. Attends, tu ne vas rien faire. Lâche-moi. Tu ne vas rien faire. Pégase de mon chemin. Shinado. Attends. Wow.
tu ne feras rien. Moi, je dis que tu ne feras rien. Lâche-moi, toi. Je dois revenir à rien. Laisse-moi. Attends. Tu ne feras rien. Chinedo. Yo. Le mec est dans la place. Frère Victor. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quoi? Un beau garçon comme toi n'a pas besoin de miroir pour juger sa beauté. Vraiment? Tu es tellement beau. Ouais. Tu sais, maman nous a fait du bien. Beaucoup de bien. Tu es également mignonne, sœurette. Merci. Mais en vérité, hein, ce à quoi je ressemble, c'est grâce à ton travail et à ton amour pour la famille. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. En fait, tu es le meilleur frère dans tout le monde entier. Allez, n'en fais pas trop. Tu es sur le point de me rendre émotionnel. Écoute, dans une autre vie, je te démontrerai comme sœur. D'accord? Bon, je suis sur le point de sortir. Que voudrais-tu? Prudence. Je veux que tu fasses très attention pour être épargné. Et s'il te plaît, ne permets pas à ces barbares en ville de gratter ta voiture parce que cette voiture est très belle. C'est compris. Tu es devenu très gentil. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Une glace ou du chocolat? Une glace sera mieux. Tu veux une glace? D'accord, je vais te la porter, d'accord? Ok. Sois prudente. D'accord. Je voulais qu'on se voie parce que ce que j'avais à te dire, je devais te le dire en face. Vas-y. Pourquoi t'agis comme si quelqu'un était mort? Mon amour, qu'y a-t-il? En fait, j'ai décidé de l'épouser. À chaque fois qu'il me chante des poèmes d'amour. Je vois la passion de l'amour qui brûle dans ses yeux. Je sais que tu m'aimes. Et je continuerai à te chanter les poèmes d'amour jusqu'à la fin des temps. Allez, viens. Je parle du roi. Lequel des rois? Notre roi. Il m'a demandé de l'épouser. Et j'ai accepté. C'est à moi que tu parles? Oui. Il t'a demandé de l'épouser et tu l'as accepté. Je comprends pas comment. Il a de l'argent. Oh. Le roi est un homme riche. Et j'aime l'argent. Je veux être où il y a de l'argent. Je vois ça comme une occasion en or. Une que je n'aimerais pas rater. Tu veux épouser un vieillard qui est assez vieux pour être ton père parce que tu aimes l'argent? L'argent couvre tout, Emeka. Il n'y a qu'un idiot pour sous-estimer l'argent. Tu ne pourrais pas comprendre maintenant, mais ça a un sens pour moi de l'épouser et devenir reine. Tu verras. Une fois que j'entrerai au palais,
et deviendrai reine. Mon destin commencera à prendre une autre dimension. Donc voilà. T'es sérieuse? Oui, je te souhaite une belle vie. Je suis désolée. Tu veux épouser un vieillard parce qu'il a de l'argent? Tu ne peux pas échapper aux problèmes de demain en les évitant aujourd'hui. Il y a un degré de foi qui le rend possible de vivre parmi les problèmes. Peu importe ce que je fais, je le fais pour l'amour. Écoute, voici la somme naira que je t'avais promis. On nous a donné nos salaires hier. Ma chère, merci beaucoup. J'apprécie vraiment ça, que Dieu te bénisse. Amen. Tu sais quoi, laisse-moi te dire, pour toutes les choses que tu as faites pour moi, je te promets que je ne te blesserai jamais. C'est une promesse, je te le rembourserai un jour. Je te crois. Viens là. Je te crois, d'accord. Laisse-moi partir avant qu'on ne commence à me chercher. Ouais. C'est quoi ça? Princesse, s'il vous plaît, veuillez entrer dans la voiture. Pourquoi? C'est un ogre royal. Oui. S'il vous plaît, entrez. Dis par qui? Je suis une royauté. Et je peux aller où je veux, d'accord? S'il vous plaît, obéissez à cet ordre. Lâche-moi. Laissez-moi tranquille. Entre. N'importe quoi! Vous êtes devenu fou! Comment osez-vous me traiter comme un enfant? Je suis assez vieille pour m'occuper de moi-même. Et d'ailleurs, je ne veux aucun de vous. Ma servante personnelle me suffit largement. J'ai donné cet ordre, princesse. Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse. J'ai donné l'ordre qu'on t'interdise de te pavaner dans tout le village sans garde. Ta protection est primordiale pour nous. Allez, s'il te plaît! Épargne-moi de tout ça. Qu'en est-il de toi? Tu as quitté ce palais hier nuit sans informer qui que ce soit. Mais est-ce que tu es sorti avec un garde? L'Onohu et les anciens t'attendent à l'intérieur. Ils ont quelque chose d'important à causer avec toi. J'ai fait ton plat préféré.
Emeka! Emeka! Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'aime absolument rien sur cette fille Adaora. Je la déteste tellement. Pendant des années, toi et moi avons servi dans ce palais. Et au lieu de choisir l'une de nous en tant que servante personnelle de la princesse, ils ont décidé de choisir cette sangsue qui ne connaît strictement rien sur les règles de ce palais. Mais j'ai ressenti la même chose. Mais toi et moi ne pouvons rien changer à cela. Elle est la cousine de la princesse. Ah non, non. Elle devrait se préparer pour moi. Je rendrai sa vie misérable dans ce palais. Je la rendrai horrible pour elle. C'est ce que je voulais te dire. Ah. Ton habillement indécent doit s'arrêter aujourd'hui. Ne sais-tu pas que tu es la princesse du royaume d'Umunamata? Tout le royaume ne sera pas content de toi si tu le répètes encore. Est-ce que c'est compris? Oui. Bien. Ma princesse, je n'en dis Agnébéru, Agnébéwe. Le village entier est en deuil. Tu viens de perdre ton père. Même s'il n'est plus en vie, montre-lui un peu de respect. Mais malheureusement, tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui a perdu son père. Pourquoi? Ichi Okoro, ne parle plus. Ma princesse, je veux que tu saches que les préparatifs des funérailles de ton défunt père, qui était notre roi, oui, ont déjà été organisés et réglés. Alors garde ça à l'esprit. D'accord, merci. Pas de quoi. Pas de quoi. Pendant combien de temps est-ce que je vais continuer à te supplier pour ça? Tout ce que je veux, c'est que tu deviennes cette femme que mon cœur désire. Emeka, j'ai peur de tomber amoureuse de quelqu'un dont le cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas. Disons, mon cœur ne lui appartient plus. Elle a brisé mon cœur. Ouais, elle m'a brisé le cœur en épousant ce vieillard parce qu'il a de l'argent. Et tant que je vivrai, pour moi, elle est morte. Mais pourquoi j'ai le sentiment que tu viens dans ma vie pour consoler ton cœur brisé? Ah, Emeka, je déteste qu'on m'utilise et qu'on me jette. Tisam, je t'en prie, regarde-moi. Veux-tu m'épouser? S'il te plaît. Pourquoi m'as-tu brisé le cœur? J'ai tellement essayé de passer à autre chose, mais j'ai pas pu m'empêcher de t'aimer encore plus. Je n'aimerai plus personne comme je t'ai aimé, toi. Emeka, tout ce que j'ai fait, c'était de t'aimer inconditionnellement. Pourquoi es-tu si obsédée par elle? Elle est mariée pour l'amour de Dieu. Mon amour, je suis désolée. S'il te plaît, trouve un moyen de me pardonner.
Je veux que tu me soutiennes. Soutiens-moi comme ça, je pourrai guérir. Accorde-moi un peu de temps et je l'oublierai complètement. C'est de ça que j'avais peur. Je n'ai jamais voulu être dans une relation compliquée. Et me voici coincée dans la relation la plus compliquée qui soit. S'il te plaît, pardonne-moi. Je veux que tu essaies de me comprendre. Je ne te décevrai pas. T'es celle pour qui mon cœur bat. Tu en es sûr? Qu'ai-je bien pu lui faire pour mériter cette punition? Pourquoi est-ce que tout ceci m'arrive-t-il? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mon ami Okafor, ce qui t'arrive ou ce que tu fais n'est pas bien. C'est la même chose qui est arrivée à la poule. Chaque fois que la communauté tenait une réunion, elle ne venait pas. Elle disait que peu importe leur décision, elle acceptera. À la fin de la journée, la communauté a décidé de l'utiliser comme sacrifice. Et c'est ce qu'ils ont fait. En tant que membre du conseil, tu n'es pas censé manquer aux réunions. Aujourd'hui, tu as décidé de venir et tu es arrivé en retard. Qu'est-ce qui t'arrive? Vois-tu, je sais que tu es mon bon ami qui me donne toujours de bonnes informations à chaque fois que je n'assiste pas aux réunions. Mais je t'en prie, ne m'appelle pas Paul. Ou encore, ne me compare pas à une poule. Hein? Je m'étais déjà préparé à venir à la réunion. Regarde-moi. C'est ce terrain que j'ai acheté à Omoke. J'ai presque fini le paiement. Mais ces gens veulent m'arracher ce terrain. Hein? Oui. C'est pour ça que pendant ces 1 mois, je n'ai pas arrêté de monter et de descendre. J'ai même fait appel à la police. Comme je me suis habillé comme ça pour venir à la réunion, ils m'ont appelé de venir urgentement au Moké. Je me suis dépêché d'y aller. En finissant là-bas, je me suis dit, il faut que je rentre rapidement au palais pour la réunion. Une fois là-bas, j'ai trouvé que la réunion est terminée. Alors j'ai décidé de venir voir mon meilleur ami. Aide-moi. Que s'est-il vraiment passé? Tu es venu voir le ministre de l'Information, comme d'habitude. Oui, je t'en prie. Que s'est-il passé? Ce dont nous avons parlé aujourd'hui, en fait, ne te concernait pas. Hein? Le souci, c'est que tu n'as pas de fils. La princesse a décidé qu'elle organisera une compétition d'amour. Elle aura besoin de 6 jeunes hommes beaux et dynamique de ce royaume. Et parmi ces 6, celui qui sera capable de gagner son cœur, l'épousera. Et cette personne deviendra automatiquement le roi de notre royaume. Un concours de beauté. Un concours de beauté. Chinedu. Chinedu, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, laisse-moi tranquille. Laisse-moi juste tranquille. Adané, je ne peux pas m'empêcher de t'aimer encore plus. Oui, je t'aime et c'est la raison pour laquelle je veux que tu sois ma femme. Toi, beau poisson, quoi? Chinedu, toi, faire de moi ta femme. Bien sûr que un oui. Un voleur comme toi, on y en tout. Que Dieu m'en préserve, je n'aurai jamais rien à voir avec toi. Je n'ai jamais cru quand ta mère disait que tu volais son argent. Pas jusqu'à ce qu'on t'attrape en train de voler la chair d'Otenku. Un voleur comme toi. Adané. Adané, ce que tu fais n'est pas bien du tout. Tu es en train de me juger, ce n'est pas bien. Seul Dieu a le droit de juger. D'ailleurs, as-tu oublié toutes les bonnes choses que je t'ai achetées? Quelles bonnes choses? Avec de l'argent volé. Quelle bonne chose! Dieu merci, oh! Dieu merci que j'ai découvert que tu es un voleur! À quoi aurait ressemblé ma vie? Ha!
Tu ferais mieux de t'éloigner de moi. En fait, dégage. Dégage de ma vie. Bien. Hein? Bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu avec ce bandit, Adan? Qu'est-ce que tu fais avec ce sale voleur? Papa, j'étais juste ici, oh. Et puis ce garçon est arrivé. Je ne sais pas ce qu'il veut me voler. Hey! Onoshia! Onoshia! Aurais-tu l'intention de salir ma fille avec ton vol? Tu vas dégager d'ici tout de suite. Si dégage tu dégages pas d'ici dans les minutes dégage. Qui suivent, tu vas appeler la police et ils vont t'arrêter. Non, mais regarde-toi, sale voleur. Oh, chez moi. N'essaie plus. Papa, n'essaie plus jamais de parler à ma fille. Oh, chez moi. Regarde-toi. Oh, maintenant tu me traites de voleur. Que je salis l'image de ta fille. C'est ça, Mazi Okafor. Je vais voler ta fille puisque tu me traites de voleur. Je vais t'attendre. Tu ne perds rien pour attendre. Oshi. Je vais te l'arracher. Voleur de chèvre, est-ce que ma fille est une chèvre? Puisque vous me traitez tous les deux de voleur, je vais te l'arracher. Espèce de voleur. Insensé. Ouais. Le mec. Quoi de neuf, le vieux? J'ai bien, mec. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Vraiment? Ouais. Tu as une bonne nouvelle pour moi? Une grande nouvelle. Ok, vas-y, je t'écoute. Tu sais, l'occasion pour toi d'épouser la princesse est enfin arrivée. Quoi? Ouais. Tu veux dire que maintenant je peux épouser la princesse? Ouais, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Mais tu vas devoir faire quelque chose. Quoi? Tu dois gagner la compétition. En fait, la princesse va organiser une compétition d'amour. Elle veut sélectionner parmi ses 6 le plus beau, le plus intelligent, le plus dynamique jeune homme de ce royaume. Et quiconque gagnera cette compétition deviendra automatiquement son époux. Mais c'est quoi ça? Non, je ne comprends pas, mec. C'est quoi ça? Comment une princesse qui est tellement intelligente, qui a passé presque toute sa vie aux États-Unis, peut parler d'une méthode aussi archaïque? Mais c'est ridicule. Écoute, que tu trouves ça ridicule ou peu importe, c'est la seule chance que tu auras pour épouser la princesse. Ce que je veux dire, c'est que tu devrais déjà commencer à te préparer et travailler ton style. Tu sais que je suis un beau garçon et personne ne peut rivaliser avec toi. Et je sais que je peux le faire. Mon pote, ce que je veux t'entendre me dire, c'est « Oui, je vais épouser la princesse. Voilà ce que je veux entendre de toi, mon pote. » Oh, ouais, papa. Ouais, je vais épouser cette putain de princesse. Cool. Tu me connais bien. Ouais. Oh. Moi, Victor alias Vicky, je vais épouser la princesse et je m'en fiche de tout le reste. Voilà. Tu comprends? Ouais. Papa. Ça, c'est ouais. Mon pote. Je vais récupérer la princesse. Ouais. Cette princesse est à moi. Ouais. Oh. Ça, c'est mon gars. Voilà, ça, c'est très bien, mec. Ouais. Tout est sous contrôle, papa. Ma fille. Papa. La royauté, c'est le pouvoir. Et la richesse est le rêve de tout le monde. Tu as raison, papa. Bien. Donc, je pense qu'il est grand temps que nous impliquions ton pauvre ex-petit ami dans la compétition d'amour. S'il gagne, il épousera la princesse. Et alors, nous trouverons un moyen pour éliminer, je vais dire tuer la princesse et faire à ce qu'il t'épouse. Papa! Et tu m'as bien entendu. Je sais combien ce salaud t'aime beaucoup. Et je sais qu'il va absolument tout sacrifier pour l'amour qu'il a pour toi. Mais papa, pas au détriment de la vie d'une autre personne. Ben, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu la princesse? Dieu m'en préserve, je ne peux pas. Non, mais écoute-toi au détriment de la vie de quelqu'un d'autre. Laisse-moi te dire quelque chose et écoute-moi bien. Si tu aimes la pauvreté ou alors tu penses que tu aimes la pauvreté, je te ferai nager dans l'océan de pauvreté.
Maintenant, écoute-moi. Si tu veux, fais ce qui est bien pour nous. Si tu ne le veux pas, ne le fais pas. Regarde-toi. Jésus, tu n'es qu'un homme à Singwenigwe. Regardez, Nagunana. Bon, aujourd'hui, on fait ça. Je suis sûr que le couturier qui a cousu ton habit est un très bon couturier qui a très bien pris tes mesures. C'est pour ça que ce n'est pas trop grand ni trop petit. Hein? Ce n'est pas trop grand. Dieu, je dis merci à Dieu. Regarde ce. Regarde-moi. Regarde-moi qui cherchais une opportunité pour rencontrer la princesse et exprimer mes sentiments à la princesse. Et je dirais à la princesse que si je deviens l'homme de... un homme d'amour, je te parlerai du livre de l'éclair... Oh, princesse, c'est moi. Maintenant que j'ai l'opportunité de m'exprimer devant la princesse, que vais-je faire? Je vais devoir m'exprimer et dire à la princesse à quel point je... à quel point... Oh, oh, oh. Mon frère, Onanomo Konobi, tu ne peux pas comprendre comment je me sens. Si tu étais à ma place, tu allais t'évanouir. Oh Dieu d'Israël, essaye de me comprendre. Akrika, donc. Donc, en fait, tu veux participer à cette compétition? Non, la compétition va participer. Attends, laisse-moi te demander. Qu'est-ce qui te fait croire que qu'on te choisira? Un idiot comme toi? Hein? Un idiot comme toi? Écoute, tu ferais mieux d'arrêter de rêver. Est-ce que tu sais ce qui me plaît dans ce que tu viens juste de dire? Tu viens de me traiter d'idiot. Merci beaucoup. Ce qui veut dire que j'ai de la classe. Un idiot qui ne sait pas qu'il est idiot est vraiment pire. Mais quand tu es un idiot et tu sais que tu l'es, ça veut dire que ta repentance, ton changement est très proche. Alors, me traiter d'idiot n'est pas une injure. Est-ce que tu comprends? Regarde-toi. Tu crois que tu peux me descendre ainsi? Mais tu ne peux pas. Parce que cette personne que tu vois ici, très bientôt, je vais devenir le mari de la princesse. Très bientôt, je deviendrai le mari de la princesse de ce village. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je deviendrai son mari? Parce que j'ai tout ce qu'il faut pour devenir le mari de la princesse. Komanya. Je te regarde. Komanya Wapa. Regarde-moi. Si tu me regardes, tu verras que je suis le plus intelligent. Si tu me regardes attentivement, tu sauras que je suis le plus sociable. Et si tu me regardes d'une autre manière, tu verras que je suis le plus décent. En fait, tout ce qui est bon, je l'ai. Tout ce qui est bon, tout ce qui est décent, je l'ai. Akrika, tu ne cesseras jamais de m'étonner. Oh, félicitations à moi. Tu ne vas jamais cesser. Ça veut dire que j'ai réussi. Je pensais que tu avais déjà une petite amie, Chiamaka. Oh, tu m'étouffes. Tu veux l'abandonner juste pour ça? Aïe! N'ose plus jamais mentionner ce nom. Parce qu'en mentionnant ce nom, je vais mourir. Alors ne mentionne plus. Qui est cette Chiamaka? Anna Oma de Chiamaka. Regarde-toi. Quelqu'un qui n'a ni chaussures, ni babouche, viens me parler. Attends, après tout ce qu'elle a dépensé pour toi? Qu'est-ce qu'elle a dépensé pour moi? Non, laisse-moi te demander qu'est-ce qu'elle a dépensé pour moi que ma princesse ne peut pas. Ne sous-estime pas ma princesse. Inanien, qu'est-ce que Chiamaka a dépensé pour moi que ma princesse ne peut pas dépenser? Fois deux, disons 1 million. Je n'aime pas... Tu sais quoi? Je vais m'excuser. Pas m'excuser. Je t'en supplie de me donner la chance de mettre en place mes stratégies. Quand je vais voir ma princesse, je vais m'approcher d'elle. D'une. Tu veux seulement me frapper? Maintenant, si je vois ma princesse, tout d'abord, je vais mettre les mains dans les poches et je prendrai ma position. Quand je vais me positionner, je vais me retourner. Ensuite, je vais marcher. Akrika. Bébé. Hey, écoute, laisse-moi te dire, à partir d'aujourd'hui, tu es censé me respecter. Tu dois commencer à me donner des honneurs parce que cet homme ici va devenir le mari de la princesse. Et une fois que je deviendrai son mari,
Ce qui veut dire que je serai automatiquement le roi. Et ensuite, quand je serai le roi, tu connais la première chose que je ferai pour toi? Je vais changer ton chapeau. Parce que ta façon de porter ce chapeau, quelque chose est en train de me dire que tu es en train d'attacher ton cerveau. Akrika, t'es en train de m'insulter. Je n'aime pas ça. Tu m'insultes. La deuxième chose que je ferai pour toi, je t'achèterai une tondeuse. Comme ça, tu pourras te raser. Parce que mon esprit me dit que c'est soit tu n'as pas d'argent, ou tu as un problème avec ton coiffeur. La troisième chose que je ferai pour toi, je t'achèterai un fer à repasser. Comme ça, tu pourras l'utiliser pour repasser tous tes vêtements. Ils ont l'air froissés. La quatrième chose que je ferai pour toi, c'est de t'acheter des shorts. Parce que la dernière fois que j'ai vu tes shorts, ça ressemblait au mouchoir d'une vieille dame. Cinquièmement, je t'achèterai une bicyclette. Akrika. Je t'achèterai une bicyclette. Ainsi, à chaque fois que je t'appellerai, tu viendras rapidement. Félicitations. Donc, tu étais en train de m'insulter à cause de la princesse? Ok, sans problème. Pas de souci. Après ça, tu vas m'appeler ton ami. Regarde toutes les injures que tu m'as balancées. Que je t'ai balancées? Tu m'as indirectement traité de menteur, mon cher ami. Parce qu'il n'y a qu'un menteur qui ne dit pas la vérité à son ami. Avec tes yeux qui sont tout engloutis, je vais t'acheter des lunettes. Comme ça, tu vas les couvrir. Parce qu'ainsi, si la police vient pour arrêter un criminel, ils t'attraperont d'abord. Arrête de m'insulter. Je ne t'insulte pas. Cesse de m'insulter. Je ne t'insulte pas. Je ne t'insulte pas. Je ne t'insulte pas. Je ne suis pas en train de t'insulter. Je ne suis pas en train de t'insulter. Arrête de m'insulter. Je ne t'insulte. Seul Dieu connaît ses raisons pour avoir organisé une compétition aussi ridicule. Qui croit-elle tromper? Je sais qu'elle veut utiliser cette occasion pour sortir avec tous les beaux garçons de ce village. Hey, tu n'es plus ni à moi, Hugo. Fais attention à tes propos, car les murs ont des oreilles. Je m'en fous. J'espère que mon petit ami n'est pas impliqué dans tout ceci. Je mettrai ce palais en feu. Chut. Non. Et es-tu aussi méchante? Je vais faire semblant que je n'ai pas entendu ce que tu viens de vomir de ta bouche. Mais à partir d'aujourd'hui, je commencerai à te surveiller pour savoir quels sont tes plans dans ce palais. Et de quel droit te permets-tu de me parler de la sorte? Que tu sois la servante personnelle ou l'assistante de la princesse, ça ne me concerne pas. Je suis la chef des servantes dans ce palais et je t'avais prévenu d'apprendre à te mêler de tes affaires. Écoute, à partir d'aujourd'hui, si tu t'amuses encore à me parler de la sorte, je m'assurerai de t'arracher la langue. Je ne vois pas ce que tu peux me faire. Arrête de me frapper. Désolée. Souviens-toi de comment tu étais abattue quand je t'ai laissée. Souviens-toi de comment tu as prié et espéré que je change d'avis. Ah, tu m'as écrit plusieurs lettres. Tu m'as envoyé plusieurs messages. Et tu m'as appelé maintes fois, me suppliant de te revenir. Maintenant, regarde cette drôle de tournure du destin. Tu ne seras pas seulement avec moi. Tu deviendras roi. Ne m'aimes-tu plus? Est-ce que tu ne veux plus encore être avec moi? Emeka, je veux que tu participes à la compétition d'amour. Tu n'es pas seulement beau. Tu possèdes toutes les qualités et je sais que la princesse aimera. Alors? T'as fini? Ne dis plus non. T'as terminé? Tu n'as pas arrêté de dire non pendant un moment et Emeka, écoute. Je les laisserai apprêter tes appartements. Parce que je t'attends.
Ebuka, s'il te plaît, fais juste ce que je te demande. Fais le juste. Ada, pourquoi devrais-je m'impliquer dans la compétition, sachant très bien que mon cœur t'appartient? Je n'aime pas la princesse, Ada, mais toi, oui. Ebuka, mais je t'ai supplié. Je t'ai supplié de faire ça pour moi. Tout ce que je veux de toi, c'est que tu ailles à la compétition, tu deviens le champion, fais tout ce que tu peux pour devenir le champion. Ensuite, tu gagneras le cœur de la princesse. Laisse le reste pour moi, je sais ce que je fais, Ebuka. Est-ce que c'est trop te demander? Ada, il n'y a pas de prétention en amour. Est-ce que tu es en train de me tester pour savoir si je peux t'abandonner pour la princesse? Ebuka, ferme-la. Peux-tu la fermer? Fais juste ce que je te demande de faire et je t'aimerai en retour. Oh. Ada. Je sais combien j'ai dépensé sur Akrika, mais il allait se battre pour cette idiote. Dieu va le punir. Spécialement cette princesse qui est venue avec cette idée stupide. Ma chère, Akrika ne mérite pas tes larmes. Pas du tout. Qu'en est-il de moi? Regardez Bouka, mon petit ami. Il m'a laissé et est allé à la même compétition. Me suis-je donné la mort? Je ne vais pas me donner la mort. Alors essuie tes larmes. Ton cas est différent, non? Je pensais qu'Ebuka et toi ne sortaient plus ensemble. Nous ne sommes plus ensemble. Ebuka et moi nous sommes réconciliés. Cependant, Ebuka m'a trahi. Il m'a trahi et est allé à cette compétition. Les hommes ne méritent pas nos larmes. Alors laisse tomber. Laisse tomber. Ma prière est la suivante. Qu'il échoue dans cette compétition. Au nom de Jésus. Amen. Ma prière pour Ebuka est qu'il soit parmi ceux qui seront dans cette compétition. C'est bon, ne pleure pas. Arrête de pleurer. Laisse-moi tranquille. Mais pourquoi es-tu parti au milieu de la compétition? Qu'est-ce qui te tracasse? Les hommes sont méchants! N'as-tu pas vu Ezike, mon petit ami, participer à cette compétition? Cela m'a également choquée. Mais tu sais une chose? Je suis reconnaissante envers Dieu que mon petit ami ne soit pas de ce royaume. Sinon, il m'aurait brisé le cœur. Ce qui me fait le plus mal dans cette histoire, c'est qu'il m'a fait rejeter plusieurs prétendants juste à cause de l'amour que nous partageons. Et maintenant ça? Ça va, je comprends ce que tu ressens. Pas du tout. Je comprends parfaitement, mais tu dois te ressaisir. Tu sais quoi? C'est bon, désolée. Mais tu sais que nous devons déjà retourner avant qu'on ne commence à nous chercher. S'il te plaît. Allons-y. J'arrive. Ah non, non, tu dois me suivre maintenant que je sois plus rassurée. J'arrive. Ebuka. Pourquoi as-tu cette mauvaise mine? Ça ne te convient pas. S'il te plaît, souris pour moi, mon cœur. Souris. Ada, tu t'attends à ce que je souris? Ada, comment pourrais-je sourire quand je connais le jeu auquel tu es en train de jouer? Ebuka, je ne joue à aucun jeu. Fais-moi confiance. On devrait être en train de célébrer ta victoire, non pas ce que tu fais là. Ada, est-ce que tu peux au moins me dire ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe, Ada. Ebuka, détends-toi. Est-ce que tu m'aimes toujours?
Ok, embrasse-moi. Si tu m'aimes, embrasse-moi. J'attends. Regardez-moi, à l'intérieur du palais. Si quelqu'un m'avait dit avant que maintenant, je me trouverais à l'intérieur du palais, j'allais dire que c'est un mensonge. Regardez-moi librement à l'intérieur du palais. Et... En fait, laisse-moi te dire, mon frère. N'importe qui, en fait, personne ne devrait se tuer. Tu vois cette vie que nous vivons. Peu importe le propriétaire, va. Ses pieds le suivant. Très simple. Regarde-moi. Ah, en passant, pourquoi attaches-tu ceci? Ok, c'est ton modèle. Fantastique. Ne t'en fais pas quand je deviendrai le prochain roi, le prochain Igwe. Je vais changer vos tenues. Ah, c'est merveilleux. Regardez ces voitures. Où est la clé de ces voitures? Ça, c'est la voiture de Eze. C'est la voiture d'Eze? Oui. C'est bon. Ok, voici les voitures que je vais utiliser quand je... Ah! C'est bon, laisse-moi aller là-bas. S'il vous plaît. Par là. Tu dis? Par là. Par là? Ou par ici? J'ai dit, c'est par là. Oh, par là. Oui. S'il te plaît, est-ce qu'il y a à manger? Il y a à manger là-bas? Oui, c'est par là. Je vais manger? Oui. C'est ton mec, c'est drôle. Hey, c'est incroyable. Il est vraiment très drôle. Papa, tu m'as appelé? Oui. Assieds-toi. J'espère que tout va bien, papa. Oui. Est-ce que tu es sûr que Ebuka peut gérer ça? Tu sais, Ebuka est une poule mouillée. Oui. Il est très faible. Nous avons besoin de quelqu'un de fort. Kino nous aidera à accomplir notre mission. Papa, tu n'as pas à t'inquiéter. Ne t'en fais pas. Tu vois, Ebuka, il est sous mon aisselle. Je le contrôle à ma guise. Peu importe ce que je lui dis de faire, il le fera. Alors t'inquiète, c'est un travail déjà fait. Ne t'en fais pas pour Ebuka. Tout est sous contrôle. Oh. Tu vois ce gars. Ah. Peu importe ce que je lui dis de faire, pim, il le fait. C'est bien ça, ma fille. Oui, papa. Ah, donc, si tu le dis, ma chérie, que le jeu continue, hein? Je suis si impatient de te voir accéder au trône. En tant que rêve. Bien. Bienvenue. Ouais. Par où allons-nous? C'est par là. Yeah.
Hey! Aïe! Écoute, laisse-moi te dire. Si je reste ici encore plus de temps, je vais grossir. Tellement gros que sortir par cette porte sera un problème. Regarde-moi. Si quelqu'un m'avait dit dans cette vie que je viendrais au palais, pas juste venir au palais pour délivrer un message, mais venir au palais et qu'on m'amène dans une chambre qui a une clim et une télé qui soit accrochée au mur. Les toilettes sont comme une piscine où n'importe qui peut aller nager, nager comme il veut. Tu comprends? Écoute, laisse-moi te dire. Ah, ah. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que je te parle et ton esprit est ailleurs? Je pense que je l'aime. Pardon? L'assistante personnelle de la princesse. Tu aimes qui? Non, fais-moi comprendre. Qui dis-tu que tu aimes? J'ai parlé de l'assistante personnelle. L'assistance personnelle de la princesse? Et Bouka, tu vas bien? Es-tu fou? Est-ce la raison pour laquelle tu es venu ici? Hey! Ah, Guanambongo. Et Bouka, nous sommes venus ici pour voir comment convaincre la princesse de nous épouser ou n'importe qui parmi nous. Et tu es ici à parler de ce que je ne sais pas. Tu tombes amoureux d'une simple servante. Je suis amoureux d'elle. Tu es amoureux d'elle? Et Bouka, le garçon amoureux. En fait, non. L'homme amoureux, parce que la façon dont je te regarde, tu te rapproches de la ménopause. Attends, laisse-moi te demander. Est-ce que c'est comme ça que tu passes ton temps à tomber amoureux de n'importe qui? Avant, c'était à damner. Maintenant, c'est une simple servante. La simple servante de la princesse au palais. Qui sait? Peut-être que demain, elle deviendra la reine elle-même. Parce que je te connais très bien, Bouka. Voilà le genre de femme que tu aimes. N'importe quoi. Akrika, ce n'est pas une blague. Est-ce que j'ai l'air de blaguer avec toi? Non, non, avec ce visage, suis-je en train de blaguer avec toi? De toute façon, je n'ai aucun problème. Va, faire ce que tu veux. En fait, si Dieu le veut, pas seulement si Dieu va le faire, on va te chasser. Parce que ce serait un avantage pour moi si un de mes rivaux est éliminé. De plus, si tu t'en vas, plus ça m'avantage. Qui sait? À la fin, je pourrais être le gagnant. Et quand je deviendrai le gagnant, je deviendrai le roi de ce village. C'est compris? N'importe quoi, l'homme amoureux. Écoute comment je parle de tout ce que je profite. Et tu es ici à me parler d'amour. Est-ce une façon d'être amoureux? Pourquoi es-tu, en fait, pourquoi es-tu couché comme un cadavre? Oh, waouh. Regarde-toi. Félicitations. Grâce à moi, tu as eu la première place à la compétition. Ouais. Comme ça devrait être de toute façon. Maintenant, écoute ça. J'ai promis de me tenir derrière toi, devant toi, à tes côtés, de toutes mes forces. Pour m'assurer que tu sois le gagnant. J'ai sincèrement hâte du moment où l'on te couronnera comme roi du royaume d'Umunamata. Ouais, ce sera sans doute un beau jour. Mm-hmm. Mais encore, je ne pense pas que tu devrais être trop confiante pour ça, parce que, au contraire, pourrait y arriver. Oh, n'importe quoi. N'essaye même pas d'être pessimiste en ce moment, Emeka. N'essaie pas. N'étais-tu pas au courant que les rêves d'hier sont l'espoir d'aujourd'hui et la réalité de demain? Rien ne tue l'ambition comme le doute et l'incrédulité. Tu comprends ça? Tu sais, j'aime ton courage, ta foi et ton énergie envers cette quête. Viens, viens là. Tu dois apprendre ça attentivement et soigneusement.
Lis chaque détail là-dedans. Car tu en auras besoin pour être le meilleur. Tous les détails sur cette compétition, tous les défis que tu vas devoir affronter, toute confusion qui pourra surgir, peu importe la complication qui pourra te tomber dessus pendant que tu t'embarques dans cette mission, est là. Alors prends ton temps et étudie-le. Je voudrais que tu saches que tout le palais est entièrement entouré de caméras de surveillance H24. Néanmoins, j'ai gracieusement déconnecté les caméras dans cette chambre. Toi et moi devons vraiment aller doucement. Je veux dire, nous ne voulons pas que l'amour et l'affection que nous ressentons l'un pour l'autre nous attirent des ennuis, n'est-ce pas? Nous devons aller doucement pour ne pas finir en acquérant rien du tout. Tu devrais savoir que tout ce qui concerne cette compétition a déjà été mis en œuvre par moi. Tu comprends? Bonne chance. Merci. Tu pourrais être une bonne politicienne. Ma chère et... Je ne comprends plus tous les plans de la princesse. Comment peut-elle choisir tous les beaux hommes de ce royaume pour une compétition? Cette princesse doit être méchante et égoïste. Chut! Baisse la voix! Ne sais-tu pas que les murs ont les oreilles? Laisse qu'ils entendent. De toute façon, c'est l'occasion que j'attendais, ma copine! Je remercie Dieu, c'est maintenant mon tour d'avoir l'un de ces hommes, oui! Et je suis prête à les séduire dans ce palais. Oh, je suis tellement contente. Eh bien, pareil pour moi. Et... Je ne peux pas laisser cette opportunité m'échapper. Et... Pardon, je suis tellement heureuse. Je suis vraiment, vraiment contente. Oh, allons-y, s'il te plaît. Tous les deux êtes simplement inutiles. Je ne sais même pas pourquoi j'avais peur de vauriens comme vous. Vous n'aviez juste qu'à exécuter une simple danse traditionnelle. Mais non, c'est trop pour vous. Vous avez gâché la cérémonie. Yo, fils de pute. Veux-tu fermer ta tronche, mec? Tu dois être stupide pour avoir pensé que je suis venu d'aussi loin pour performer cette danse archaïque. Je t'emmerde. J'ai mon argent. Je suis simplement ici pour le cœur de la princesse. Je suis un général 5 étoiles, mec. Tu sais de quoi je parle. Écoute, ferme ta sale gueule, toi. Comment est-ce que je t'ai entendu t'appeler général 5 étoiles? De quel corps de l'armée? Tu es général 5 étoiles de quel corps de l'armée? Et de quelle catégorie? Laisse-moi te dire. En te regardant bien, tu n'as même pas le quart d'un général. Yo, tu comprends? Yo, mec. Yo, bro, nam. Tu ferais mieux de me parler avec respect. Eh, wana, diamousso. Aniem, mamie, komi. Yo, mon frère. Kana, comment? Écoute-moi très bien si tu t'appelles pour moi. Yo, yo, mec. Yo, mon frère. Je suis un putain de gangster. Si tu blagues avec moi, je vais mettre une foutue balle sur N'importe foutue quoi, tronche. Regarde-toi. Tu n'arrêtes pas de faire. Yo, yo, yo. Maintenant, laisse-moi te dire qui a fait ce son. Ce son a été fait par Ozabede et Depak. Si tu ne savais pas, et tu essaies à faire papa. Ce n'est pas ainsi qu'Ozabede l'a fait. Il l'a fait comme ça. Ebessina. Si tu te fous de moi, mec, je m'en fous de toi. Pardon. Pas étonnant qu'on t'ait dénoncé au Cotonou. Ok, gegebe. Bahena, faire une petite danse, tu en es incapable. Et toi? Je t'emmerde. Tu n'es d'où, ou peu importe comment tu t'appelles, tu es vraiment stupide.
Il faut manier. Si tu me tentes maintenant, je te donnerai une leçon. Il faut gagner. Tu es malade. Oh. So, tu sais quand c'est vous? Regarde une scène. Je te conseille de surveiller ta langue. À qui crois-tu parler de la sorte? Laisse-moi te dire que je ne suis pas content de ce que tu viens de faire. Tu n'as pas pu nous trouver un styliste. De la salive ou quoi? Écoute, laisse-moi te dire. C'est une petite chose qui m'énerve. Une petite chose qui m'énerve. Juste une petite chose qui me tue. Et si je meurs ici, tu auras des ennuis. Alors dégage d'ici. Tout le monde ici est faux, mec. Dégage d'ici. Allez, lâche-moi. Sinon quoi? Dégage de ma vue. La prochaine fois que vous vous comporterez mal tous les deux. La prochaine fois que vous allez mal vous comporter, je ferai quelque chose. Si c'est voler, voler, là tu sauras très bien le faire. Juste aller danser. Tu es ici à jacasser. Attends, l'Américain. Dis-moi quelque chose, est-ce qu'il m'a cravaté? Yo, je dois aller chercher la princesse. Quoi? Je m'arrache d'ici. Qu'est-ce qu'il... Laisse-moi te dire, toutes ces bêtises que tu fais, tu ferais mieux de retourner au Cotonou que de nous mentir que tu viens de l'Amérique. Simple Cotonou, tu penses que je ne sais pas? Tu viens ici te prendre pour un Américain, juste danser, tu n'as pas pu. Un idiot, cet idiot, un criminel, voilà ce qu'il est. Il se prend pour un fort. Tu es ici, au lieu de faire quelque chose de bien. Tout ce que tu sais faire, c'est de voler. Si on avait mis une chèvre là-bas, et qu'on disait que la compétition consistait à voler une chèvre, tu allais voler la chèvre et les enfants à venir. Et les enfants à venir de la chèvre, tu allais tout voler. Pour danser, non. Tu as le toupet de me cravater. J'arrive. Tiens d'eau. Attends. Ouvre cette porte. C'est de l'or. Qu'est-ce que je fais au juste? Aïe. Qu'est-ce qui m'arrive au juste? Non. Je dois contrôler ma kleptomanie. Je peux le faire. Je dois contrôler cette kleptomanie. Cette maison chauffe beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Comment est-ce qu'on peut avoir une piscine dans une maison sans eau? Ça, c'est vraiment de la merde. Putain! En Amérique, tu peux aller en prison pour ça. Où est-ce que je sais tout ça? Putain! Bonjour, bonjour mon prince. Des pétasses partout. C'est d'accord. Ce fils de pute est sur le point de se péter la gueule. Ok. C'est bon. Victor, tu gères. Le rêveur. Je t'ai donné ma parole. Je t'ai dit que tu n'allais pas faire deux jours dans ce palais.
Regarde-toi. Roi, personne ne joue avec mes émotions et s'en tire aussi facilement. Maintenant, retourne dans cette poubelle d'où tu es venu, ok? Regarde-toi, tu mords la main qui t'a nourri. Roi. De toutes les indications. Édiqué et toi étiez des amants. Édiqué hâte, maintenant et subitement. Il veut devenir le roi de notre royaume. Et son ambition lui a fait oublier l'amour que vous avez partagé tous les deux. Votre Altesse, ça fait vraiment mal. Après tous les sacrifices que j'ai faits pour lui, voici ce que je reçois en retour. Je t'ai entendu le menacer. Je comprends que tu aies le cœur brisé. C'est bon. Édiqué a prouvé être un homme déshonorant. Celui qui ne mérite pas être le roi de notre royaume. Il ne mérite pas également une place dans ce palais. Je vais m'assurer qu'il parte dans les deux prochains jours. Édiqué ne devrait pas se retrouver ici. Merci, Votre Altesse. Maintenant, écoute. Je promets de t'aider parce que notre royaume mérite un roi mieux que les mensonges d'Édiqué. C'est vrai, ma reine. La princesse, avec certitude, mérite un meilleur homme en tant que mari. Au lieu d'un homme infidèle comme Édiqué. Cela dit, tu peux partir. Merci, Votre Altesse. Merci. Apporte-moi à boire, d'accord? Bien sûr, Votre Altesse. Votre Altesse, vous m'avez appelée. Viens. Ceci est pour toi. Vas-y, prends-le. Merci, Votre Altesse. Tu le mérites. Viens. Si tu parles à qui que ce soit, à propos de ça, je te tuerai. Je ne le dirai à personne, Votre Altesse. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Merci d'avoir sauvé la vie de la princesse. Tu peux partir. Merci, Votre Altesse. Adora, pourquoi ne me donnes-tu pas une chance pour t'exprimer mon affection?
Souviens-toi, si tu insistes à poursuivre un insecte, tu vas devoir être extrêmement prudent. Sinon, tu pourras glisser de la montagne et tomber, et puis être consommé par des insectes. Avec l'amour, il y a toujours un prix à payer. Moi, je suis prêt à faire n'importe quoi. Je veux dire, tout pour toi. Ebuka, je crois que tu oublies vraiment quelque chose. Tu es ici pour gagner le cœur de la princesse et pas le mien. Si tu es prêt en essayant de gagner mon cœur, tu seras éliminé, comme Ejike. Je n'ai jamais eu l'intention de faire partie de cette compétition. Mais Dieu merci, le destin m'a conduit ici. Adora, je suis tombé amoureux de toi le premier jour même que j'ai posé mes yeux sur toi. Adora, je t'aime. Alors, sois gentil et sincère à ton cœur. Le cœur parle toujours. Tu dois juste l'écouter. Bonjour, monsieur. Salut. Quoi de neuf? Ça roule? Vous m'avez appelé? Oh ouais, je l'ai fait. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Tu es très mignonne. Merci, monsieur. Apporte-moi quelque chose de frais à boire. Qu'aimerez-vous boire, monsieur? Un verre de jus suffira. Ok. Quel est ton nom? Kiroka, monsieur. Kiroka. Joli nom pour une belle demoiselle comme toi. Merci. Ouais. Tu es très mignonne, je te l'assure. Je t'aime bien. D'accord? Sache juste que j'ai mes yeux sur toi. D'accord? Ok, vas-y maintenant. Hein? Ok. Bon sang de bonsoir. Putain! Cette putain, c'est sexy. Ok, c'est bon. Ce petit palais de merde ne saura pas que le mauvais garçon est dans la place, mec. Le mauvais garçon international. Yo, le général 5 étoiles. Je suis dans la place, mec. Quoi de neuf? Yo, je te tiens, pétasse. Je te tiens. Ebuka. Pourquoi est-ce que tu as cette mine bizarre? Est-ce que tout va bien? Ebuka, tu ne veux pas me parler? Est-ce qu'il y a un problème? Akrika, mon ami. Je crois qu'il est temps que je prenne la bonne décision. Quelle décision? De m'éliminer. Je n'ai aucun avenir avec la princesse. Elle est la seule personne que mon cœur désire et je ne peux pas continuer à me mentir. Laisse-moi te demander, quelle est cette demoiselle qui a volé le cœur de mon meilleur ami? Eh bien, en fait, elle n'est personne d'autre qu'Adora. Tu sais, je suis vraiment amoureux d'elle et c'est avec elle que je veux me caser. Ok, c'est bon, laisse-moi te demander. Qu'en est-il de l'amoureux? Qui est maintenant l'amoureux?
Qu'en est-il de l'accord que tu as eu avec Adané et son père? Qu'ils aillent au diable. Écoute, je n'aime plus Adané. Hein? Je ne l'aime plus du tout. Écoute, en ce moment, hein? Adora est tout ce qui compte pour moi. Je n'aime plus. Je ne ressens plus rien pour Adané. L'amoureux. Ok. Fais comme tu veux. Eh bien, je suis ici pour te parler de ce qui s'est passé avec Victor. Ce stupide Américain. Mais, en te voyant maintenant, je ne pense pas que tu sois d'humeur pour de telles causeries. Alors, peut-être que je vais te laisser pour que tu réfléchisses plus. Peut-être plus tard. Je pars chercher plus d'informations. Adora. Adora, pourquoi je suis aussi amoureux de toi comme ça? Hein? Pourquoi je t'aime de la sorte? Est-ce pour ton beau sourire? Ou alors ton joli visage? Oh, je t'aime tellement. Je t'aime trop. Ma chère. Oui, papa. D'après Ezemo, le grand prêtre en chef, une fois que Ebuka mettra ce liquide sur son visage, il verra la princesse. Et la princesse sera éperdument amoureuse de lui. Tu comprends ce que je veux dire? Papa, j'espère qu'il n'y aura pas de répercussions. Non. Surtout, ne parlons pas des répercussions pour le moment. Ok. Notre objectif principal pour le moment, c'est de convaincre Ebuka d'arriver à hypnotiser la princesse. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, papa. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Ebuka. Ebuka, que s'est-il passé? Ne me dis pas que tu as été éliminé. Mon amour. Qui est ton amour? Adané, je te pose une question. Qui est ton amour? Écoute, tu ferais mieux de te respecter. Tu me comprends? Respecte-toi. Pourquoi me parles-tu ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi me parles-tu ainsi? Adané, je maudis le jour où je t'ai rencontré. Je maudis le jour où je suis tombé amoureux de toi. N'importe quoi.
Mais Ibuka, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, je vais t'expliquer. Je me suis éliminé. Tu m'entends? Je me suis éliminé. Hey! N'importe quoi. Hey! Hey, mon Dieu! Hey, Dieu! Hey, Dieu! Qu'est-ce que je vais dire à mon père? C'était Ibuka, l'être le plus complexe que je n'ai jamais rencontré. Mais je ne le laisserai pas me rendre confuse avec cette stupide décision. Un villageois restera toujours un villageois. Premièrement, Adani l'a largué. Et il a décidé de participer à la compétition. Mais au lieu qu'Ibuka se concentre sur la compétition, il a décidé de tomber follement amoureux de l'assistante personnelle de la princesse. Tu peux t'imaginer? En vaut rien plus. De toutes les façons, je ne l'apprécie pas, il peut même aller au diable en ce qui me concerne. Et il n'est même pas aussi beau que les autres prétendants. As-tu eu un autre prétendant? Oh oui, ma chère. T'aurais dû voir la façon qu'il me regardait quand je suis allée lui servir à boire. Il était tellement romantique. Oh. Je l'ai ressenti. Eh bien, peut-être qu'au bon moment, il s'ouvrirait à moi. Dis-moi, de qui est-ce que tu parles? Emeka, bien sûr. Oh. Wow, 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 wow. Je sais, Emeka est l'un des beaux garçons. Mais, oh, je n'arrive pas à attendre le jour où Tinedo me prendra dans ses bras et confessera son amour pour moi. Pouvez-vous l'imaginer? T'as pas par hasard perdu la tête? Donc, parmi tous ces beaux garçons, c'est Tinedo, cette espèce de voleur, ce criminel que... Hi! Est-ce qu'il t'a déjà volé avant? Non, dis-moi. Mais quand il ira jusqu'à voler ton utérus, que tes yeux s'ouvriront. Regarde qui parle. Espèce de commère, vilaine fille. Je ne t'en veux pas. N'importe Dégage. Quoi. Comment as-tu pu me faire une telle chose? Je veux dire, je lui faisais confiance. Et elle est allée derrière moi et a commencé à sortir avec ce gars. Je n'ai pas encore accepté ses intentions envers moi. Mais tu l'aimes. Je peux voir les flammes de l'amour brûler dans tes yeux. Oh, c'est Ibuka. Je suis vraiment déçue par toi. Pardonne-lui. Elle est ta cousine, après tout. Elle est juste ma cousine éloignée. Mais néanmoins, pardonne-lui. Ne sois pas en colère contre elle pendant longtemps. De toute façon, le fait est déjà fait. Et tout s'est déjà arrangé. Le jeune homme en question s'est déjà éliminé de la compétition. S'ils s'aiment vraiment tous les deux comme ils disent, maintenant c'est leur chance d'être ensemble. Avec ta permission, bien sûr. Ouais. Tu es tellement bonne. Merci pour le compliment. J'aime ce que tu m'as fait ressentir. Tu sais quoi? Continue juste d'être gentil et je te donnerai aussi différentes positions. Mais bien sûr, je dois être gentil, mec. C'était vraiment trop bon. J'ai intérêt à être gentil, d'accord? Je te promets que je ne sortirai avec aucune autre pétasse. Juste toi jusqu'à la fin, d'accord? Je te fais confiance. Ouais. Ouais. Alors dis-moi, tu en veux encore plus? On continuera après. Non, je vais t'en donner encore un peu plus. Non. Mmh.
J'ai suspecté ceci. Que ce garçon n'est qu'un serpent vert caché sous des herbes vertes. Donc il faisait semblant pendant tout ce temps. Bien. Papa, il ne m'aime plus. Il me déteste. Je pouvais voir de la colère dans ses yeux quand je le regardais. Papa, tu es la cause de tout ceci. Evoca était le seul homme qui m'aimait sincèrement. Mais maintenant... Maintenant quoi? Il a peut-être réussi à gâcher tous nos plans. Mais il ne nous empêchera pas d'atteindre notre but. Nous avons une autre solution. Oui. Papa, que veux-tu dire par là? Maintenant, écoute. Tu dois réussir à convaincre Chinedu d'appliquer la potion d'amour. Il est notre seul espoir maintenant. Oui. Papa! Oui. Oui. Princesse, je t'ai entendu crier. C'est quoi le problème? J'ai fait un mauvais rêve. L'un des prétendants m'étranglait quand donc que je dormais. Lequel? Oh, Dieu. Chinedu. Oh, mon Dieu. Dieu, merci, tu n'étais qu'un rêve. Donne ça à ta fille pour qu'elle donne au jeune homme. Il doit se oindre ça sur le visage. Très tôt le matin. Avant qu'il ne voie la princesse. Il ne doit laisser personne le voir. Ou dire bonjour à qui que ce soit. La princesse tombera éperdument amoureux de lui. Une dernière chose. Il ne doit pas laisser la princesse voir ce charme. Sinon, toi, ta fille et le jeune homme deviendraient fous. Merci. Il n'y a absolument aucun problème à cela. Je peux m'en occuper. Merci, Tout-Puissant. Merci. La princesse ne doit pas le voir. Dans la marmite de la sauce. Je vais te dénoncer.
Pourquoi est-ce que tu fais ça? Retire ta main de cette marmite. Donne-moi ça. Je souhaite que cette viande t'étouffe. Je ne voulais pas la viande. Je voulais voir comment tourner la sauce. Donc je suis aveugle. Je t'ai vu mettre ta main là-dedans. Non, la main que j'ai mise était là parce que, en fait, je cherchais la cuillère. Et comme je n'ai pas vu une cuillère... Attends, est-ce que tu as dit que tu as vu ma main à l'intérieur? Je t'ai vu mettre ta main là-dedans. Tu as pris une viande et tu as même failli t'étouffer. J'ai pris une viande? Cette main? Entrée ici? Quel stupide, tu as perdu la tête? Que cherchais-tu là-dedans? Es-tu une souris? La prochaine fois, n'entre pas dans cette marmite. C'est comme ça que tu te comportes? Je t'ai élevé et tu entres dans les marmites? Désolé, ne te mets pas en colère. Ton souhait sera exaucé. Mais n'oubliez pas de dire au jeune homme l'aspect négatif de ce charme. Et à ta fille, dis-lui de souffler ceci sur le jeune homme. Son souhait sera réalisé par le jeune homme. Merci, Azemo. Merci. 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 Merci, Azemo. Eh bien, je montrerai ma gratitude doublement si cette chose fonctionne bien. Bien sûr. Ça fonctionnera. Merci. Merci. Je dois partir maintenant. Holy God, Ibane, Manane, Akona, Kendeli. Okafo. Merci. Aisez-moi. Hein? Le grand, aisez-moi. Hein? God, you know, Kurukana, Nanini. C'est vraiment dommage que toi, Akrika Ogodo, tu voles de la viande dans la marmite de sauce. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. En fait, je n'ai pas intentionnellement... En fait, je ne l'ai pas fait intentionnellement. Toutefois, je suis vraiment désolé pour... Je ne suis pas un voleur. Tout le monde sait que je ne suis pas un voleur. Je suis un bon garçon. Tu comprends? En fait, je promets de voler une autre viande. Désolé, je promets de me racheter devant ma princesse parce que j'aime la princesse. Et je veux qu'elle comprenne à quel point... Bonjour, comment tu vas? Désolé. Je vais me racheter devant la princesse et la faire savoir combien je l'aime. Je ne voudrais pas que, tu sais, perdre... En fait... Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. Biko. À partir de maintenant, tu ne fais plus partie de la compétition. Pardon? Ma reine. Par les pouvoirs qui me sont conférés en tant que reine du royaume d'Umunamata, je t'élimine dès maintenant de la compétition. Ma reine. S'il te plaît, va dans tes appartements, récupère tes affaires personnelles et libère les lieux. Hey! Mon prince, ma reine, désolé. Je suis désolé, ok? Je ne veux pas quitter cet endroit. J'aime cet environnement, j'aime tout ce qu'il y a ici. Et même garde! Du coup, je ne voudrais pas... Montre-lui le chemin. Non, je connais le chemin. Ne sois pas stupide, mon frère. Est-ce que je pourrais au moins être un garde pour poursuivre cet endroit? Chemin. C'est par là. Chemin.
Choma. Arrête de parler. Choma, es-tu en train de passer, ça me... Et toi, tu as dit, ne sois pas stupide. L'arrête t'a demandé de partir. Est-ce qu'elle t'a demandé de partir? C'est à moi qu'on a demandé de partir. Laisse-moi partir quand je voudrais. C'est à toi qu'on a demandé. Alors, ma reine, ce que j'ai dit, c'est que... S'il te plaît, c'est par là. Par où? Par là. Par où, le Nigérien? Par là? Ma reine, est-ce que je pourrais être moins l'un d'eux? Laisse-moi moins être l'un de ces... Dis-lui au moins quelque chose pour moi. Par là, monsieur. Par là. Par là. Tu es toute mignonne. Merci. Je ne savais pas que tu pouvais danser comme ça. Est-ce que tu peux le redire? Cool. Alors, pourquoi ne danses-tu pas pour papa? Ok. Mais tu es prête? Un peu. Oui. Je serai ton DJ. Hein? Ok. Oui. Très bonne danseuse. Vas-y, on y va. Hey. 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 Retourne-toi, tu veux? Ouais, retire ça, retire. Je sais que t'en as envie. Retourne-toi. Maman, vu que tu m'appelles, j'espère que tout va bien. Tout va bien, fiston. C'est juste que j'ai besoin d'argent pour mon alimentation. Quel argent? Je te dois? Ah, mon fils bien-aimé, pourquoi est-ce que tu me parles comme ça, non? Hein? Tout le monde sait que la princesse a mis tous les prétendants sous un salaire mensuel qui est de 40 000 naira. Et t'as déjà passé 4 semaines là-bas. Tu ne peux pas me mentir que t'as pas d'argent. Ha. Maman, sais-tu que tu es vraiment drôle comme femme? Alors, après m'avoir souhaité le malheur, après avoir prié pour que je ne fasse pas partie de ce projet, tu as le cran de me demander de l'argent. Je ne te donnerai même pas un centime. Quel genre de mère es-tu? Je suis désolée, mon fils. Oh! Je suis désolée. C'est juste que j'avais peur. J'avais peur que tu commences à voler quelque chose là-bas. Tu sais à quel point tu espères en vol. Comme ça, tu te permets encore de m'insulter. Maman, je n'ai plus ton temps. Parce que tu sais quoi? L'on récolte ce que l'on sème. Onaha kikibo kikonima. Oleo kikiba. Naracha. Et watago? Enati seke senanoa. Au moins ne se kaseke. Oh, mon fils, Biko, tu sais que je n'ai que toi. Oh, Nam, ta mère a très faim. Oh, Biko, Nam, n'oublie pas que je t'ai porté pendant 9 mois. Oh, c'est ta mère qui te parle. Oh, envoie-moi quelque chose. Tu veux venir prendre mon cadavre? Parce que je ne suis pas loin de la mort, hein, Nam? Stupide. Ne compose plus jamais ce numéro. Hey, Jay. Ce garçon m'a raccroché au nez. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ah, Jay. Seigneur. N'importe quoi.
Qui est-ce? Entrez, c'est ouvert. Salut, Tinedo. Bonjour, comment puis-je vous aider? Tu as de la visite. Elle t'attend hors du portail. De la visite? Elle? De qui s'agit-il? Une minute. Serait-ce ma mère? Je te conseillerais d'aller découvrir. Cette vie, tout est un mystère dans cette vie. Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bon? Tout ce que nous faisons dans cette vie, on doit toujours le juger. Qu'est-ce que je n'ai pas fait de juste? Tout ce que je faisais, je m'assurais que ce soit bien. Maintenant, me voici, ça n'a servi à rien. Adané, pourquoi viens-tu au palais pour me chercher? Es-tu devenue folle? On a rompu, n'est-ce pas? Pourquoi viens-tu au palais pour gâcher mon show? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tinedo, je suis venue en paix. S'il te plaît, détends-toi. Je ne suis pas venue faire des problèmes avec toi, mais je suis venue ici pour t'aider à gagner la compétition. Je n'ai pas besoin de ton aide! Va-t'en d'ici et n'ose plus jamais revenir! La prochaine fois que tu viens dans ce palais pour me chercher, je te dénoncerai auprès de la reine et tu sais très bien les conséquences. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon garçon. Je suis toujours à ton service. Alors maintenant, écoute. Prends cette substance. Assure-toi de l'utiliser en premier le matin avant de rencontrer la princesse. Assure-toi de nous saluer ou de ne voir personne d'autre avant la princesse. La princesse ne doit pas voir ça. Sinon, tu deviendras fou. Si tu suis correctement mes instructions, la princesse tombera éperdument amoureuse de toi. Mmh. Elle t'épousera et fera de toi le roi. Ceci a toujours été ma prière. Ok. Merci alors, beaucoup. Je t'en prie. Alors je te souhaite bonne chance, Tinedo. Merci. Wow. Ouais. Tu es tellement bonne. Oh, vraiment? Ouais. Tu sais, quand je t'ai vu danser, je l'imaginais déjà. Vraiment? Ouais. En fait, je... Maintenant, je sais que tu es la meilleure fille du palais. Wow, je suis tellement flattée. Ah. Ouais. Now, t'as réfléchi comment aller vivre ailleurs, n'est-ce pas? Hey, mon amour. Hein? Toi que je connais très bien, tu pars pour la compétition, hein? Qu'est-ce qui te fait croire qu'on choisira un voleur comme toi dans cette compétition? Maman. Hmm? Pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi est-ce que tu me condamnes? Ne suis-je pas ton fils? Est-ce de ma faute si je prends les choses qui attirent mon attention? Non, je ne le fais pas intentionnellement. Oui. Mon ami, ferme-moi ta bouche et arrête-moi cette bêtise. Le truc, c'est que je ne sais pas ce qui me pousse à ramasser tout ce que j'aime. Hein? Oui.
Mon ami, ferme ta bouche et arrête de raconter ces bêtises, hein? Combien de fois t'ai-je demandé d'aller te faire délivrer? Mais t'as refusé. Ma prière est que tu ne sois pas retenu pour cette compétition. Comme ça, tu ne t'attireras pas la honte dans ce palais. Maman, hein? Jamais de la vie! Regarde-moi ça. Ces prières maléfiques n'auront jamais d'effet sur moi. Hein? Maman, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'iras nulle part. Les gars, c'est cassé. Tu n'iras nulle part. Laisse-moi te dire, hein, que je vais aller à cette compétition et même que je vais la gagner. Hey, Diego. Oui. Hey, moi, mon. C'est quoi ces histoires-là? J'ai dit que tu n'iras nulle part. Tu vas m'épargner cette honte. Tu n'iras nulle part. J'ai dit que tu n'iras nulle part. Un voleur comme toi. Hey, je n'aurais pas dû lui dire toutes ces choses horribles. Mais qu'en est-il de mon argent? Non, il va me rembourser tout mon argent. Non, non, il va me rembourser mon argent. C'est quoi ça? Cause treasure is life. When you break a mirror. Tu sais quoi? Tu n'es rien d'autre qu'une vulgaire fille. Une sale prostituée, ça c'est ce que tu es. Et toi alors? Une prostituée propre et sans tache, c'est ce que tu es? S'il te plaît. Tu sais que t'es vraiment stupide? Pendant que j'y pense, qu'est-ce qui te donne le culot de me piquer mon homme à moi? Mon propre homme? Mon Américain? Hein? Toi, un Américain, regarde, ouvre grandement tes oreilles et écoute bien. Victor est à moi toute seule, et je ne laisserai ni toi, ni personne d'autre empêcher cela, ok? Aïe! Tu me cherches? Aïe! Aïe! Aidez-moi! S'il vous plaît, quelqu'un peut m'aider? Allez! Aïe! Ma tête, ma tête! Oh. Ma tête! Ah, ma tête! Quelqu'un pour m'aider! Qui m'aide? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Victor! Victor? Il m'a cassé la tête! Garde! Que quelqu'un m'aide! Oh mon Dieu! Je vais s'il mourir! Te plaît, amène-le à l'hôpital! Bon. Amène-le, s'il te plaît! Je vais mourir! Mon Dieu! Victor! Victor! Pour qui diable te prends-tu, fils de pute? Yo! Si on était aux États-Unis, mon frère, je te mettrais 6 pieds sous terre, tu comprends? Victor! Qu'est-ce qu'il y a? Victor! Comment oses-tu? Comment as-tu osé frapper la tête de Tinedo avec une bouteille? Hey. Tu as perdu la tête? Yo, yo! Tu es fou? Non, non! Hey, allez! Je me battais juste pour l'amour, bébé! C'est tout! Allez, ne t'inquiète tu pas. Tu voulais qu'il meure? Je me battais juste pour l'amour. J'étais en train de défendre mon amour. C'est ce que je faisais, mec. Allez. D'accord? Je suis désolé pour ça, bébé. Allez. Oh, arrête cette bêtise. N'ose pas me toucher. Tu vois cette bêtise que tu viens de faire? Je te donnerai une leçon. Espèce d'idiot. Yo. Yo. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec tout le monde? Qu'est-ce qui ne va pas avec tout le monde? Yo, mon frère! Yo, mon frère! Chai, Akrika, Okurika, donc tu es allé jusqu'à voler la viande dans la marmite? Tu es fou! Ah, honte à toi! Allez, ferme ta bouche, honte à toi aussi! Honte à toi aussi! Qui t'a dit que j'ai volé la viande? Je n'ai volé aucune viande! Ce que j'ai fait était juste prendre. Je suis allé dans la marmite et j'ai vu beaucoup de viande. Et je me suis demandé, qui va manger toute cette viande? J'ai décidé d'en prendre une pour résoudre le problème de tout le monde. Est-ce que tu sais que si une personne mange toute cette viande, cette personne aurait une crise cardiaque? Je suis allé là-bas pour résoudre le nombre de crises cardiaques. Et tu me dis que j'ai volé la viande. Ce que j'ai fait était juste prendre. Tu racontes des sottises. Ok, toi qui parles maintenant. Toi qui es ici à parler des bêtises maintenant. Qu'en est-il de toi? Comment étais-tu éliminé? Comment as-tu été éliminé? Ils t'ont éliminé à cause d'une ordinaire, une servante locale qui s'en fiche de toi. Et tu es ici à jacasser. Tu es intelligent? Tu peux dire ce que tu veux, hein? Je n'ai pas été éliminé. Je me suis éliminé. En tant que qui? Non, pourquoi est-ce que tu t'es éliminé? Et en tant que qui?
Je veux comprendre pourquoi est-ce que tu t'es... Tu as dit que tu t'es éliminé. Tu t'es éliminé en tant que qui? Je me suis éliminé parce que je suis amoureux d'Adora. Aïe, mon Dieu. Mon frère, en fait, certains d'entre nous qui avons têté les seins de notre mère pendant 2 ans, quand nous parlons comme des hommes. Ceux d'entre vous qui avaient têté pendant 3 mois et 2 semaines, quand vous parlez comme des gens qui ont encore besoin de têter. Parce que vous ne parlez pas comme des hommes. Tu t'es éliminé. Regarde-toi. Tu t'es éliminé pourquoi? Hein? Laisse-moi te demander. Entre toi et cette fille, qui est l'homme? Parce qu'elle parle avec autorité. Elle est l'autorité et tu es l'auteur. On a ton âge. Cette fille est une autorité et tu en es l'auteur. Ce qui veut dire que l'auteur est sous l'autorité. Et tu essaies de raconter des bêtises. Tu l'aimes. Akrika. Ça, c'est le coup de foudre. En fait, ça, c'est la maladie d'amour. La question que tu devrais te poser, c'est... Est-ce qu'elle t'aime en retour? Akrika, je ne veux pas me disputer avec toi. Hein? Je veux juste savoir comment Adora allait la dernière fois que tu l'as vue. C'est tout ce que je veux savoir. C'est encore quoi cette question? En tant que son garde du corps ou quoi? Tu me demandes comment elle allait la dernière fois que je l'ai vue? N'importe quoi. Tu me demandes. Et en parlant du loup, là voilà. Bonjour. Bonjour, mon étoile du matin. Quoi? Quoi? Que viens-tu de dire? Mon étoile du matin. Très bien. Oh, salut Akrika. Quoi? Je suis allée chez toi et ton cousin m'a dit que tu étais ici, alors j'ai décidé de venir. Oui, je suis très surpris de te voir. N'es-tu pas content de me voir? Je ne suis pas juste content de te voir. Je suis complètement rempli de joie. Ebuka, je m'en vais. Ebuka, je dis que je m'en vais. Ebuka, tu as mangé? Tu dis? Ebuka, est-ce que tu m'entends? Ok, je dois partir, ta mère est là. Ebuka, tu n'es pas intelligent. Ebuka, Ebuka, regarde. Le royaume d'Umunamata est en train de subir une compétition qui aboutira à la découverte de leur roi. Je suis au courant de ça. Pendant que nous subissons les processus qui aboutiront à la découverte de notre nouveau roi, nous connaissons toutes les qualités que chaque potentiel prétendant doit exuder. Un comportement comme le tien, qui d'aucune façon ne brandit l'intégrité, caractère, l'honneur, n'a pas sa place dans cette compétition. Attaquer physiquement un autre prétendant d'une manière qui surpasse toute violence et l'insulter est une offense punissable, pas seulement dans le royaume, par l'État dans son ensemble. Attaquer M. Shinedo est une démarche que tu n'aurais pas dû faire. Yo! Mais ce mec s'est foutu de parce moi. Parce que tu l'as attaqué, tu es automatiquement disqualifié de cette compétition. Par les pouvoirs qui me sont conférés en tant que reine du royaume d'Umunamata, je t'élimine de la compétition. Quoi? Tu n'es pas digne de cette compétition. Juste comme ça. Oui. Yo, je viens de te dire, mec, ce mec s'est foutu de moi. Aux États-Unis, je le mettrai en prison. Crois-moi. Va dans tes appartements, rassemble toutes tes affaires personnelles et libère la maison royale. Monsieur. Écoutez, Yo! Attends, tu es sérieuse? Hey, bébé! Putain de merde! Ça, c'est une foutue injure à ma personnalité. Putain! Un beau gosse comme moi qu'on élimine de cette façon. Bon sang. Mais c'est quoi? C'est...
Bonjour, ma princesse. Bonjour, mon amour. Comment tu vas? Comme tu le vois, je me sens bien mieux. J'espère que tu t'es bien reposé cette nuit. Ouais, un tout petit peu. Oh, c'est rien. L'un des gardes t'emmènera à l'hôpital pour un bilan. Alors Oh, désolé. Merci. Alors, va te préparer. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Mais de rien. D'accord. Alors Ok, il faut que j'aille me préparer. D'accord. À tout à l'heure. Merci. Bye. C'est arrivé si vite. Enfin, j'ai captivé son esprit et son âme. La princesse est maintenant en moi. J'ai hâte de devenir le prochain roi. Entrez, c'est ouvert. Bonjour, Shinedu. Bonjour. Comment puis-je t'aider? La princesse m'a demandé de vous amener à l'hôpital pour un bilan. D'accord. Si t'es prêt, alors moi aussi. Dans ce cas, allons-y. C'est quoi le problème avec toi? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas? Je ne te connais pas comme une personne bête et stupide, alors c'était quoi ça? Je t'ai donné tous les détails dont tu avais besoin. Je t'ai donné toutes les informations dont tu auras besoin pour être à la tête du jeu. Alors c'était quoi ça? Pourquoi m'as-tu embarrassé de cette manière? Je ne comprends pas. J'ai oublié, je suis désolé. Tu as oublié? Comment au diable est-ce que tu peux oublier que la cola est brisée en langue Igbo, un Igbo comme toi? Je ne comprends pas. Les gens utilisent la langue Igbo, Asusu Igbo, pour briser la cola Yaoji, Naligbo en langue Igbo. Oji, Nasusu Igbo, pourquoi tu as parlé en français? Qui utilise la langue française pour briser la cola, dis-moi, Emeka. S'il te plaît, calme-toi, le fait a été fait. Je ne ferai pas une telle erreur la prochaine fois. S'il te plaît. Tu ferais mieux d'être désolé pour toi-même. Au nom de Dieu, que ceci n'arrive plus jamais. Est-ce que tu comprends? C'est juste une tâche. Je veux dire, ouais, c'est vrai, j'ai fait une erreur, mais s'il te plaît, c'est juste une tâche. Et rappelle-toi que notre objectif principal n'est pas l'argent qu'on va gagner après cela. Gagner le cœur de la princesse, c'est l'objectif. Excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Que viens-tu de dire? Gagner le cœur de la princesse est essentiel. Tu crois qu'un vaurien comme toi, qui n'a aucune classe, gagnera l'accès au cœur de la princesse? Écoute, mon cher, il te faudra beaucoup de courage et aussi de cran pour pénétrer son cœur. Pour le moment, tu dois être un homme. Mets ça dans ta cervelle. Ramasse ça pour moi. She is a winner. But she's not satisfied. She is not satisfied at all. Ebuka.
Qu'est-ce qui te fait croire que tu es sûr des sentiments que tu ressens pour moi? Mon cœur bat pour toi, Dora. Le cœur ne peut jamais mentir qui que ce soit. Parce que le cœur sait ce qui est mauvais et ce qui est bien. Le cœur donne les mots à la bouche. Ton cœur connaît la vérité. Je t'aime énormément, Ada. Mon amour pour toi est sincère. Je ne briserai pas ton cœur. Je te le promets. Le véritable amour est comme un fantôme. Tout le monde parle d'eux. Et juste quelques-uns les ont vus. Tomber amoureux de toi était la chose la plus facile que j'ai faite de toute ma vie. Je devais juste te le faire savoir. Je t'aime tellement. Alors, gardons espoir et voyons ce que l'avenir nous réserve. Ce n'est pas la fin du jeu. L'histoire a un autre nom. Le jeu de l'amour doit être déclaré pour que l'amour trouve son chemin. Prends soin de toi. Adaora? 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 Princesse? Adaora, je t'ai cherché partout. Mes bijoux ont disparu. Et ces bijoux valent 4 millions de naira. Je ne pourrais pas supporter de perdre l'un d'eux. Princesse, je crois que tu devrais ordonner aux gardes de fouiller toutes les chambres du palais. Ok, c'est ce que je ferai. Excuse-moi. D'accord. Comment es-tu entré dans ma chambre? Que fais-tu dans mon lit? Ne me dis pas que tu n'aimes pas ce que tu vois. Ouais, je les vois bien. Je vois tes os secs. C'est ce que tu veux que moi j'aime? Arrête de faire semblant comme si tu ne désirais pas. Je t'ai vu me regarder de façon romantique avec désir maintes fois. Alors j'ai décidé de te faire avoir ce que tu veux, vu que t'es timide. Tu dois être très stupide. Ces os secs ne se lèveront jamais. Maintenant sors de ma chambre. Dégage! Vas-y! Espèce de traînée. Stupide. Mon fils. Yo. Tu t'en vas juste comme ça? À quoi t'attends-tu? J'en ai terminé ici. Je regrette de m'être impliqué dans cette foutue compétition, père. Pour qui diable la princesse se prend-elle? Mon fils, écoute, ce n'est pas la fin du monde. En fait, un président américain a dit lorsqu'une porte se ferme, beaucoup d'autres s'ouvrent. Mais beaucoup se concentrent sur la porte fermée, au point de ne pas voir celles qui sont ouvertes. Il y a beaucoup de bonnes choses pour toi là d'ailleurs. Beaucoup de sublimes, de dynamiques, de belles femmes pour toi, ok? Ne le prends pas personnellement. Ok, mais souviens-toi, il y a des choses que tu m'as promis que tu n'as pas encore faites. Ce n'est pas un problème, papa. Je vais t'envoyer de l'argent quand je serai à Lagos. D'accord? D'accord. Pas de soucis. Ok. Grand frère, qu'est-ce qu'il en est? Tu vois, je t'ai promis que tu allais me donner quelque chose. C'est bon, ne t'inquiète pas. Je vais aussi t'envoyer de l'argent, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je veillerai sur vous, d'accord? Je suis le 5 étoiles. J'emmerde la princesse. Ouais, on emmerde la princesse. J'emmerde la princesse. Ça, c'est mon garçon. Je suis le 5 étoiles, compris? Ça, c'est mon garçon, ouais. Au revoir, les mecs. Au revoir, fisson, au revoir. Il est content maintenant. Je le suis aussi. Bye. Un beau garçon. Bye. Au revoir.
Hi, je suis très bye content. Bye. Un beau garçon. Tu n'es d'où? Aïe. C'est bon, ça fait mal. Ce Victor doit être un vrai fou. Regarde un peu ce qu'il t'a fait. Honnêtement, il est fou. J'ai pitié de la femme qui va épouser ce malade. Il est fou. Hey, tu n'es d'où? Dieu merci, oh. Dieu merci que rien ne t'est arrivé. Qu'est-ce que j'allais dire? Tu n'es d'où? Quoi de neuf? Le charme a-t-il marché? Ça a parfaitement marché. À l'instant où je te parle, la princesse ne peut rien faire sans moi. Bien. Oui. Bien. Et il me tarde vraiment de profiter de cette occasion. Oui. Tu n'es doux, je suis tellement contente. Ceci mérite d'être fêté. Ceci mérite d'être célébré. Tu n'es doux. Ça suffit, je dois m'en aller maintenant, ok? Ok. Mon Dieu, mon père doit entendre ça. Mon Dieu, j'ai hâte que tu n'aies tout épouse la princesse. Et je deviendrai la reine-mère de son royaume. J'ai trouvé ceci dans la chambre des Mécan. Quoi? Oui, ma reine. J'ai trouvé ça dans la chambre des Mécan. Donc finalement, je suis sorti le vainqueur de cette compétition. Ouais, je vais devenir le mari de la princesse. Je vais devenir le roi du royaume de mon Amata. Acclamez le roi. Je vais découper ta langue si tu dis un mot de plus. Comment oses-tu me trahir? Comment as-tu pu voler les bijoux de la princesse? Je... Moi? Le garde l'a trouvé dans ta chambre. Et n'essaye même pas de faire semblant, Emeka. Pourquoi as-tu fait ça? C'est un mensonge, je ne peux pas faire une chose pareille. Non, je ne l'ai pas fait. Tu essaies de te moquer de moi? Tu essaies de bousiller toute l'énergie que j'ai dépensée pour que tout ceci marche? Je te donnerai une leçon. Je te donnerai une leçon, je vais m'assurer que tu ne t'en sortes pas, je te le promets. Je te promets que tu vas le regretter. Moi, voler les bijoux de la princesse, pourquoi? Que ce ne soit pas ce à quoi je pense. Que ce ne soit pas ce à quoi je pense. Quelle très belle histoire, mais avec une fin triste.
Eh bien, j'adore les histoires avec une fin triste. Kinedu ! Kinedu ! Enfin, je te trouve. Tu crois que tu peux me piéger ? Tant tu crois que je ne saurais pas que c'est toi qui as volé ces bijoux et tu les as gardés dans ma chambre comme ça aurait l'air que c'est moi qui les a volés ? Eh bien, t'as échoué, parce qu'ils sauront que t'es un voleur, un bandit. Dans toute cette communauté, tout le monde te connaît. Excuse-moi, est-ce la raison pour laquelle tu hurlais mon nom comme un chien enragé ? Comme tu peux le voir, je passais un moment tranquille avant que tu ne surgisses comme un idiot ! Que Dieu te punisse ! Que Dieu punisse ton père, ta mère, ta sœur, ta génération, tous tes ancêtres ! Que Dieu te punisse ! Mon cher, ça ne change rien en fait que c'est toi le voleur ! Oui ! Très bientôt, je serai couronné roi de ce royaume. La princesse est à moi. Tu mens. Parce que la princesse est mienne, et mienne pour toujours. Elle est à moi. J'ai dit que la princesse était à moi. Elle est à moi. Elle est à moi. Elle est à moi. Comment ? Lance-le ! Malheureusement, j'ai été accusé d'un crime que je n'ai pas commis. Personne n'a pris le temps de réfléchir. Tout le monde l'accroche juste comme ça. C'est bon. Je sais que mon Dieu combattra pour moi. Oh, s'il te plaît. Arrête avec ton spectacle pathétique. Tu as été éliminé de cette compétition. Il n'y a rien que tu dises ou que tu fasses qui pourra changer cela. Remercie tes dieux que je ne t'ai pas fait arrêter. S'il te plaît, est-ce que je peux faire une dernière demande ? Quelle demande stupide ! Je souhaite que vous meniez une bonne enquête là-dessus. Je ne suis pas un voleur. Bla, bla. Garde ! Ma princesse. Mets-le hors d'ici. Allons-y. Viens là. Bonjour, ma princesse. Bonjour, mon amour. Comment tu vas ? Comme tu peux le voir, je me sens bien mieux. J'espère que tu t'es bien reposé cette nuit. Oh, un petit peu. Oh, c'est rien. L'un des gardes t'emmènera à l'hôpital pour un bilan. Alors, tu... Désolé. Merci. Alors, va te préparer. D'accord. Ok. Merci Mais beaucoup. Mais de rien. D'accord. Alors ? Ok, il faut que j'aille me préparer. D'accord. À tout à l'heure. Merci. Mmh. Bye. Bonjour, mon cher rival. Comment tu vas? Eh bien, j'ai un petit conseil pour toi. Si j'étais toi, je démissionnerai tout de suite, comme Ebuka l'a fait, tu sais.
Sais-tu pourquoi? Simplement parce que la princesse est désormais à moi et pour toute la vie. Il n'y a rien que quiconque puisse faire pour éloigner la princesse de mon emprise. Et sache bien que de nous deux, tu es celui dont la bouche pue. Amy, elle est Amy Jakarta. Amy Indonésie, Amy Jakarta. Regarde-toi. Amy. Donc finalement, ils t'ont éliminé de ce palais. Si quelqu'un m'avait dit que dans cette planète que tu allais être éliminé. En fait, ce n'est même pas une élimination. Tu as été supprimé. Après toutes tes menaces, tout ton cinéma. Après tout ton one-man show, tout ton spectacle, tout ce que tu faisais là. Ils t'ont toujours éliminé. Ah, terrible. Je ne pouvais pas croire qu'on t'éliminerait, honnêtement parlant. Hein? Amy, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux demander à Google pourquoi est-ce qu'on t'a éliminé? Hein? Google ne peut pas répondre à ceci. Google n'a pas une réponse à la raison pour laquelle on t'a éliminé. Parce qu'on devait t'éliminer, après tout. Mais attends, est-ce que ça veut dire que finalement, Shinedu a gagné la compétition? Ah, si ce garçon, en fait, ce serait la plus grande erreur que la reine fera. D'aider ce garçon à gagner cette place. Parce que si ce gars devient le roi de ce royaume sera dans les ennuis. Ce village aura des problèmes parce que quand je regarde ce garçon, je sais très bien que ce gars est un criminel. Si un criminel devient le roi de ce village, alors nous sommes morts. Regarde comment tu portes. Que fais-tu comme ça? Tu portes ton sac comme quelqu'un qui vient de commencer le travail de convoyeur. Quand on dit à un garçon, va servir ton patron. La façon dont il porte son sac, il marche. Et ensuite, il se retourne et regarde son père. C'est comme ça que tu viens de me regarder, comme si je suis ton père. Ton père t'a envoyé être un convoyeur. Donc tu regardes ton père. Ce qui signifie, papa, tu vas me manquer. C'est comme ça que tu viens de me regarder. Ok, mon fils, ne t'en fais pas. Dieu va te garder, Dieu va te protéger, mon fils. Va en paix, d'accord? Idiot. Beau garçon, pas d'argent, et tu es content. She is a winner, but she's not satisfied. She is not satisfied at all. Ochole nunana, go welu nania. She wants everybody out of the way. What a greedy queen. Très bientôt, je mettrai une alliance à cette magnifique main. J'ai vraiment hâte. Je t'aime tellement. Vraiment? Vraiment, vraiment? Bonjour. Bien sûr que oui. Oh, bonjour. Ouais. Et toi, viens, viens. Oui, princesse? Apporte-nous des boissons, s'il te plaît. Des boissons fraîches. D'accord. Et ne nous fais pas attendre. Alors, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr. T'en es sûr? J'aimerais t'entendre le dire. T'es terrible, toi. Dis-le, vas-y. Tu veux savoir? Tu sais, aujourd'hui, je te trouve particulièrement belle. Eh bien. Qui aurait cru que Shinedu serait le vainqueur? En regardant les choses, on dirait que la princesse est éperdument amoureuse de lui. Tu aurais dû voir comment il m'a ordonné quand la princesse m'a demandé une boisson. Dépêche-toi.
Écoute, ma question est, est-ce qu'il est l'homme idéal pour la princesse? Mon Dieu! S'il devient le roi ici, il va vendre ce palais. Et tout le monde sait que c'est un voleur. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je te comprends pas, oh. D'ailleurs, leur as-tu servi à boire? Non, je suis encore en colère. T'es encore fâchée, hein? Regardez-la. Regardez quelqu'un à qui j'ai apporté des nouvelles. Pourquoi je t'en ai même parlé? De toute façon, notre bataille n'est pas terminée. L'hôpital qui se fout de la charité. Hey! S'il te plaît, toi, s'il te plaît. Que crois-tu bien pouvoir faire dans ma chambre à 7h de la nuit? S'il te plaît. Seigneur Tout-Puissant. S'il te plaît. En fait, tu es là pour me séduire? Non, bébé, ce n'est pas qui ça. Qui t'a envoyé pour me tendre ce piège? J'ai dit, qui t'a envoyé pour me piéger? Personne. Retire tes sales pattes de moi. Retire tes sales pattes de moi. Maintenant, sors. Ça a assez duré. Dehors! Oh. Dépêche-toi, va-t'en! Si jamais tu reviens, je te donnerai une bonne leçon. Dégage! Dehors! Ah. Ouais! Tu vois? Notre plan marche vraiment en notre faveur. Oui, père. Tu es un si mauvais père. Tu pourrais être un bon politicien. Appelle-moi comme tu en as envie. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Le match n'est pas encore terminé jusqu'à ce qu'il soit terminé. Nous devons fêter ça, ma fille. Oui, oh. Va apporter à boire, chérie. Je reviens tout de suite. J'ai vraiment envie de boire. Nous y arrivons. Par rapport à ce qui s'est passé l'autre nuit, je ne savais pas que c'était un monstre. Tu as fait une bonne chose. Tu as fait une bonne chose en ne lui disant pas qui t'a envoyé. Maintenant, écoute. Si quelqu'un entend ça, je te tuerai. Maintenant, vas-y. Votre Majesté. Oui. Entrez. Princesse. Mon amour. Tu m'as fait appeler. Je l'ai fait. Cette nuit, tu m'as repoussé. Tu as refusé de me faire l'amour. Aujourd'hui, je ne prendrai pas non pour une réponse. Princesse, nous ne faisons pas ce qui est juste. Oui. Et qui l'a dit? Ma place n'a pas encore été confirmée. Oh, oublie cela. Viens. Oui. Chinedu! Ah. Que crois-tu faire? Est-ce que tu essayes de profiter de la princesse alors que tu n'as pas encore été confirmée? Adara, qui te donne le droit d'interroger mon amour? Comment oses-tu entrer dans ma chambre sans frapper? Maintenant, dégage! Avec tout le respect, ma princesse,
Je refuse de sortir jusqu'à ce que cet homme sorte d'ici. Mon amour, Adora a raison. Oui, nous ne faisons pas ce qui est juste. Je dois respecter les règles. Merci. Excusez-moi. Reviens. Ma princesse, tu n'es pas censée faire ça. Dégage! Comment oses-tu croire que tu peux me contrôler? Ah! Ma reine, je suis désolée d'interrompre votre moment de repos, mais il y a quelque chose que je dois vous dire. Qu'est-ce que c'est? Vous devez parler à la princesse. C'est tellement honteux pour moi de le dire. Elle essayait de forcer Chinedu de lui faire l'amour. Quoi? J'ai tout vu de mes propres yeux. Je crois que quelque chose ne va pas avec elle. Elle n'est pas elle-même. Princesse, c'est quoi cette nouvelle dégoûtante que j'apprends sur toi? Je viens d'apprendre qu'on t'a vu en train de supplier Chinedu de te faire l'amour. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Je suis une adulte et je suis assez vieille pour décider ce que je veux. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien. Écoute, ce jeune homme n'a aucun droit sur ton corps jusqu'au prochain marché des quais. Et même jusque-là, il va devoir performer les rites traditionnels nécessaires. Oh, arrête. J'emmerde la tradition. Je vous emmerde tous. J'aime ce jeune homme. Et j'ai hâte de l'avoir à mes côtés. Je veux qu'on me laisse seule. Comme tu peux le voir, j'étais ici toute seule avant que tu ne viennes avec ton histoire de Chinedu qui veut me faire l'amour. Tout ce que je veux, je l'obtiens. Ce qui est à moi est à moi et personne ne pourra jamais me l'arracher. Oui. Je serai bientôt le prochain roi du royaume de Munumata. Oui. Quelle est cette emprise que tu as sur la princesse? Tu n'es pas son mari, pour l'instant. Tu n'as pas été proclamé le gagnant de la compétition. Mais tu te pavanes déjà, comme si tu étais son mari. Et qui crois-tu que je suis pour elle? Un fagot de bois à chauffer? Vous êtes en train de vous payer ma tête là, ma reine. Je suis sorti vainqueur de cette compétition. Et je deviendrai de ce fait le roi de ce royaume. Alors, tout le monde dans ce royaume me doit avant tout du respect et des honneurs. Ceci vous incluant vous, ma reine. Intéressant. Tu n'es pas encore roi. Mais tu oses me parler à moi, la reine, d'une manière aussi irrespectueuse. Hein?
Oh, regardez-le. Il n'est pas encore roi, mais il est déjà en train de parler avec tant de pouvoir et d'autorité. Ma reine, la plupart des hommes peuvent supporter l'adversité. Si vous voulez tester le caractère d'un homme, donnez-lui du pouvoir. Excusez-moi. What a greedy, greedy. What a jealousy, jealousy. Jealousy makes you see, you see. Abu Bala. What a greedy, greedy. What a jealousy, jealousy makes you see, you see. Abu Bala. Abu Bala. Mano Jiroyafa. She's our queen, but she's not satisfied. Abu Bala. Mano Jiroyafa. She is a winner, but she's not satisfied. Comment vas-tu, ingénieur? Oh, je vais bien, madame. C'est une bonne chose que tu sois ici, parce que je veux que tu m'aides à récupérer certaines séquences de la caméra de surveillance que tu as installée. Je suis curieuse par rapport aux événements récents de ce palais. Et qu'est-ce que cela pourrait être? Quelqu'un a volé les bijoux de la princesse. Je veux connaître celui qui les a volés et à quelle heure c'est arrivé. D'accord, donc, montrez-moi la salle de contrôle. Comme ça, je pourrai tout copier dans mon disque dur et vous revenir. Suis-moi. D'accord. Mon Dieu, ce gars est vraiment intelligent. Donc son but était de prendre les bijoux? Clique sur la caméra 4. Je veux voir comment les bijoux sont arrivés là-bas. Madame, c'est impossible. Pourquoi?
Avez-vous oublié que l'autre jour, vous m'avez demandé de retirer la caméra dans cette chambre, ce que j'ai fait? Oh, mince. Allô, Altesse. Allô, ingénieur. Je voudrais que tu installes des caméras de surveillance dans toutes les chambres du palais. D'accord, Altesse, je le ferai. Et dehors, bien sûr. D'accord, votre Altesse, je le ferai. Oui. À l'exception de la chambre 4. J'insiste dessus. D'accord, Altesse, je ferai comme vous avez dit. Ne mets pas de caméra dans la chambre 4. Mais, votre Altesse, pourquoi, si je peux demander? Occupe-toi de tes affaires et mets-toi au travail. Oh, désolé, désolé, je suis vraiment désolé, je suis désolé. Maintenant, vous voyez, il n'y a rien que je puisse faire pour votre accès à cette chambre. Mais regardez ça, ça pourrait vous intéresser. C'est quoi ça? C'est un charme? C'est un charme? Oui. Ça a l'air d'être un charme. Oui. Ok, donc il a hypnotisé la princesse. Il en a déjà fait trop. Bâtard. Mm-hmm. Oui, la victoire. Une fois qu'Ebuka deviendra roi, j'irai voir les émois pour qu'ils me donnent un charme qui va tuer la princesse. Si la princesse meurt, Chinedu va t'épouser et tu deviendras la reine de ce grand royaume. Trinquons à cela. Oui, père, j'ai hâte de devenir la reine de ce grand royaume. Ça, c'est ma fille. Une femme incroyable et exceptionnelle. Espèce de criminelle. Donc c'était toi? C'était toi qui as volé les bijoux de la princesse et tu nous as poussés à accuser Emeka faussement. Comment as-tu osé? D'où est-ce que vous sortez toutes ces bêtises? Épargne-moi ta prétention. Tu as volé les bijoux et tu nous as fait croire que c'était Emeka pendant tout ce temps. Tu l'as piégé. Pourquoi? Mon amour, vois-tu comment elle se met à m'insulter? Ok, maintenant ma reine, Chinedu ici se plaint de la façon dont tu l'attaques dans ce palais. Je ne vais plus le tolérer dans ce palais, ça suffit. Tu dois arrêter. Il est clair qu'il t'a charmé. Ne l'as-tu pas fait? Ta véritable identité a finalement été démasquée grâce aux images de la caméra de surveillance. Je viens de les voir. Alors ça ne sert à rien de le nier ou de faire semblant. Tu reconnais ceci? Ah, en fait, tu as trouvé le charme. Comment l'as-tu trouvé? Ma princesse, si tu ne comprends pas, alors tu peux l'oublier. Si tu ne comprends pas, tu peux l'oublier. Si tu ne comprends pas, oublie-le. Oh. Ah, compétition royale, vois-tu ce que tu m'as fait à moi? Ekatago! Ma princesse, laisse
Laisse-moi te dire la vérité. Elle a raison. En fait, c'est moi qui ai volé tous ces bijoux. Oui. Et Watago, si tu ne comprends pas, alors tu peux l'oublier. Et après les avoir volés, je les ai gardés dans la chambre des mechas pour qu'ils soient évincés. Oui. En ce qui concerne cette histoire de charme, en fait, c'est Adané qui me l'a donnée. Oh. Ouais. En fait, c'est son père qui lui a dit de me donner ça pour t'hypnotiser. Mon Dieu. Mais ça a marché. Et Watago. Compétition royale. Vois-tu ce que tu m'as fait à moi? Compétition royale. Vois-tu ce que tu as causé? Compétition royale. As-tu vu ce que tu as causé en moi? Allez, compétition royale. Vois-tu ce que tu as causé en moi? Et Watago. Compétition royale. Vois-tu ce que tu as causé en moi? Est-ce que tu es ma fille? Es-tu le roi? Non, tu es le prince. Je suis fou. Je suis fou. Oui, tu es fou. Oui, tu es fou. Je crois que tu es un fou. Qui est en train de rire avec toi? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Dieu merci, je ne l'ai pas laissé me toucher. Je croyais qu'il était vraiment amoureux de moi. Oh Dieu. Donc, en fait, il m'a hypnotisé. Ça ne sert à rien d'être dur envers toi-même, princesse. Dieu merci, le sort a été brisé. Maintenant, je regrette tout. Je regrette tout. Je regrette de m'être impliquée dans cette compétition en premier lieu. Je n'aurais pas dû faire tout ça. Ne dis pas ça. Non. Ne dis pas ça. Je crois, sincèrement, que tu es très proche de ton destin. Oh mon Dieu. Tinito. Ne sois pas dur envers toi. Je dois aller quelque part. Je dois digérer tout ça. Je n'arrive pas à y croire. Oh mon Dieu. Allô, Emeka. Comment vas-tu? Je t'appelle parce que je veux que tu te prépares. Les gardes viendront te chercher et te ramèneront ici, au palais. Nous venons de découvrir que tu as été faussement accusé d'avoir volé les bijoux de la princesse. C'était Chinedu. Chinedu les a volés et t'a piégé. Et je suis désolée. Je suis désolée qu'on t'ait mal jugée. Nous avons hâte de te recevoir au palais. À bientôt. Mon bébé, mon amour.
Odala Mecha, mon cœur, mon mannequin, mon hibiscus, mon vin du matin, mon sucre d'orge, ma future femme. Bébé, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que j'étais offensé. S'il te plaît, pardonne-moi. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à partir dans cette stupide compétition. J'ai toujours su que tu étais la seule que j'aimais. Et je sais très bien que tu m'aimes aussi. S'il te plaît, je suis désolé, pardonne-moi. Ça suffit. Lève-toi. Je te pardonne. Tu veux dire que tu m'as pardonné? Oui, je l'ai fait. C'est super. Oh mon amour. Oh mon amour. Je t'aime tellement. Je t'aime. Je t'aime. Mon amour, j'ai une grande surprise pour toi. Tu es sérieuse? Ferme tes yeux. Je le ferai pour toi, mon amour. Tout ce que tu veux, je le ferai. Ferme tes yeux. Ok. Idiot! Tu mérites pire que ça! Laisse-moi te dire quelque chose. Le week-end prochain, c'est mon mariage traditionnel. Et tu es invité. Mon amour, bébé. Amour, mon bébé. Reviens. Mon cœur. Elle m'a poussé. Ou on l'a fait spirituellement. Cette poussée avait l'air d'être une gifle. Je n'arrive plus à bien voir. Bébé, mon amour. Mon cœur. Oh, arrête! Arrête! Arrête non, ça! Je vais t'arrêter, ne t'en fais pas! Oh, arrête! Arrête! Oh. Ah. Je t'ai demandé de me laisser. Donc tu peux courir comme ça? Comment est-ce que je ne saurais pas courir? Ton chapeau est drôle. S'il te plaît. Je l'aime, mais tu ressembles à un chasseur. Oh, tu ne savais pas? Écoute, je suis un grand chasseur. Oh. Ça a commencé avec mon arrière-grand-père. Oh. Tu n'as pas demandé aux environs? C'est ça. Je sais que tu aimes te prendre la tête. Non, je ne me prends pas la tête. Mais je te crois. Ada, ferme tes yeux. Je ne vais pas fermer mes yeux. S'il Qu'est-ce te plaît. Que tu peux faire? S'il te plaît, j'ai une surprise pour toi. S'il te plaît. Ok. Mes yeux sont fermés. Où vas-tu? Ferme juste tes yeux. Ok. Maintenant, tu peux les ouvrir. Je peux ouvrir mes yeux? Oui. Ok. S'il te plaît. Épouse-moi, Ada. Oui! Oh, mon Dieu! Je t'aime tellement, Ada. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi! Oh, mon Dieu! Ça te plaît? Je l'adore! Viens dans mes bras. Oh, merci beaucoup! Merci beaucoup! Oh! Oh! C'est bon de te revoir. Je voulais te dire que nous sommes désolés. Désolés de t'avoir mal jugé. Comme je t'ai dit au téléphone, les véritables criminels ont été démasqués. Eh bien, c'est pas de ta faute. T'as juste fait ce que tu croyais être juste. Mais le palais aurait dû être assez patient pour investiguer avant de me mettre dehors. Mais ma joie aujourd'hui, c'est que... la vérité a été dévoilée. Maintenant, va dans tes appartements et rafraîchis-toi. Merci.
dont tu crois que je devrais être très content avec toi. Ou peut-être que quand tu entrais dans cette chambre, je devrais me lever et t'embrasser. Ou peut-être coucher avec toi. Alors que tu m'as énormément blessé. Je suis désolée. Alors que tu m'as fait me sentir tellement mal. Toi, quand ceci est arrivé, tu aurais dû te calmer et investiguer. Mais non, tu as surgi et tu m'as traité de voleur. Un voleur. Je suis désolée, bébé, je suis vraiment désolée. Cette affaire était compliquée et délicate en ce moment-là. Je n'avais pas le choix que de faire ce jugement. Je veux dire, j'ai perdu la tête et je suis devenue incontrôlable avec mes actions, mais je suis désolée. En ce moment-là, tu avais vraiment l'air d'avoir volé les bijoux de la princesse. Comment est-ce que j'allais le savoir? Comment est-ce que j'allais savoir que c'était cet idiot pathétique qui t'avait piégé? Je suis désolée, bébé, Arrête. Eh bien, le truc, c'est que, en ce moment, je sais vraiment pas ce que je ressens pour toi. Est-ce qu'on sort ensemble? Est-ce qu'on est dans une relation? Genre, je ne sais pas. Très juste que je sois capable de raviver, peu importe ce qu'on a eu dans le passé. Pour le moment, nous n'avons rien. S'il te plaît, ne dis pas ça. S'il te plaît, ne dis pas ça. S'il te plaît. Essaies-tu de me blesser? Essaies-tu de me briser le cœur parce que ces mots me brisent le cœur maintenant? Comment est-ce que tu peux même m'avancer ces mots? Comment? Je t'ai aimé pendant longtemps. Je t'ai beaucoup aimé pour que tu me dises ça. J'ai fait beaucoup de sacrifices juste pour être avec toi parce que je t'aime. J'aime même... Je suis même devenue une meurtrière parce que je t'aime. Ne redis plus ces mots, s'il te plaît, ne le fais plus. Oh, c'est bon, arrête, s'il te plaît. Tu peux pas me faire le chantage émotionnel. Ne redis plus ces mots, s'il te plaît. Si t'as tué quelqu'un, qui as-tu tué? Le roi. J'ai tué le roi. Je l'ai empoisonné. Je suis la raison pour laquelle le roi est mort. Et je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour nous. Et c'est parce que je voulais être avec toi. Parce que je t'aime. Je t'aime tellement et je veux être avec toi. Je t'aime. Et c'est toi que j'ai toujours aimé. Quand le roi était vivant, je ne l'ai jamais aimé. Plusieurs nuits, quand il a essayé d'être intime avec moi, je devais juste me convaincre mentalement que c'était toi qui me touchais. Comme ça, je pouvais le laisser me faire l'amour. Ma reine, désolé, tu dors déjà. Est-ce que tu peux au moins nous permettre d'avoir un match, même si c'est juste pour peu de temps? Mais je ne me sens pas bien du tout. Peut-être une autre fois. Mais je ne me sens pas bien là-bas aussi. Hein? Et tu es celle qui peut le guérir. Ma reine. Ma reine. Je t'en prie, juste...
Tu m'as bien entendu, peut-être une autre fois. Je ne me sens pas bien. Ah. Ma reine, écoute, J'ai vraiment mal partout. Même la main que tu touches me fait aussi mal. Ne t'inquiète pas, je te ferai un massage. Ne t'inquiète pas. Je ne veux pas de massage. Laisse tomber. Je suis fatiguée. Regardez à quel point il est vieux, il l'est. Il ronfle comme un gros sale porc dégoûtant. Oh Seigneur, Seigneur, si ce n'était pas à cause de l'argent. Si ce n'était pas à cause de l'argent, est-ce que j'allais penser à épouser ce porc? Mon roi, comment est-ce que la réunion avec les membres du conseil s'est passée? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ton humeur soudaine? Je viens de me souvenir de ma défunte femme. Elle était morte, mystérieusement. J'aurais tellement souhaité qu'elle soit encore en vie. Aujourd'hui, pour voir à quel point sa fille a grandi et est devenue belle. Ah. Que son humble âme continue de se reposer en paix. Et c'est... Je crois qu'elle est au ciel en ce moment et elle te sourit maintenant. Je crois qu'elle est impressionnée par l'amour que tu lui as donné quand elle était ici. Je crois qu'elle est fière de toi. Et la façon dont tu t'es occupé de sa fille qu'elle a laissée derrière. C'est bon. Détends-toi. Merci de m'avoir consolé. Merci. Tu sais quoi? Cela me fait penser à ça. Sa Majesté, je suis curieuse pour ta fille. Je ne l'ai jamais vue, ni en personne, ni sur les photos. Je n'ai même pas parlé avec elle. Il n'y a aucune image d'elle affichée quelque part au palais. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle ne m'a même jamais appelée, moi, la nouvelle femme de son père. Ça me fait me sentir comme si je ne faisais pas partie de la famille. Ne dis pas ça. Tu fais partie de cette famille. Ne t'inquiète pas. Tu la verras face à face très bientôt. Je suis en train de préparer son retour.
Oh. Ok. Tu fais partie de cette famille. Merci. J'ai hâte. Merci. Merci. Je suis fatiguée et j'en ai marre de vivre avec un vieillard. Un vieillard pour lequel je n'ai aucun sentiment. Il est grand temps que je l'envoie dans sa tombe. Une fois qu'il sera mort, je serai libre de rencontrer mon charmant Emeka quand je le veux. Et enfin, j'aurai l'opportunité d'acquérir tout son héritage. Oui. Oui. Mon roi, mon amour, j'ai une boisson pour toi. Je devais le dire. À quoi ça servait d'être avec lui alors que je pouvais être avec toi, celui que j'aime? En plus, je voulais l'autorité et le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Tu as l'argent. Je veux dire, si tu as toutes ces choses, tu as tout. Alors tu vois, bébé, je l'ai fait pour toi. Attends, attends. Dis-moi une chose, t'as été une folle ou alors tu es devenue folle? Si je suis folle, alors je suis folle amoureuse de toi. Parce qu'il n'y a que l'amour qui pourrait me pousser à faire tous ces sacrifices pour toi. Alors oui, je suis éperdument amoureuse de toi. Oui. Et d'ailleurs, il l'a cherché. Le défunt roi était un homme vraiment très cachotier. Il avait l'habitude la plus énervante de cacher la plus petite des choses. Des informations vitales, il va prudemment les cacher. Pourquoi? C'était quoi son problème? Je n'en avais aucune idée. Comme sa fille, par exemple. Il ne m'a jamais parlé d'elle. Il ne m'a jamais montré sa photo. Je n'avais aucune idée de ce à quoi elle ressemblait. Et ce n'était pas seulement moi. Tout le village n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblait la princesse. La première fois que j'ai posé les yeux sur cette stupide fille, c'était quand elle a atterri au Nigeria. Bien sûr, pour les funérailles de son père. Il devait partir. Et maintenant, tu es là. Maintenant, regarde. Regarde. Le destin a tout changé. L'arrivée de la princesse. T'emmener plus près de moi, mon amour. Ne peux-tu pas le voir? Imagine mon excitation quand elle m'a dit qu'elle espérait. Elle m'a dit qu'elle voulait organiser une compétition d'amour. J'ai ri. C'est bon, je suis vraiment désolée, bébé.
Alors maintenant que tu as travaillé sans cesse pour que j'épouse la princesse, qu'est-ce qui se passera ensuite? Disons juste que les chats vont bientôt danser avec les souris. Comment puis-je t'aider? Hey! Pourquoi es-tu silencieux? Princesse, j'ai quelque chose à causer avec toi. Oh, je vois. Assieds-toi. T'es pas un étranger ici. Assieds-toi. Assis. Merci. Merci. Mais de rien. Alors, de quoi est-ce que tu veux me parler? Princesse. À part la compétition qui s'est déjà passée, je vais te dire que ce que je ressens pour toi, c'est le véritable amour. Oui, au début, je ne t'aimais pas, mais j'étais seulement concentré sur mon intérêt égoïste et je ne pouvais jamais imaginer que j'allais tomber amoureux de toi. Je vois. Alors, comment es-tu sûr que l'amour que tu ressens pour moi maintenant est sincère? Princesse, ouvre ton cœur et écoute attentivement. Ça chuchote. Ton cœur ne pourra jamais te mentir. Ok. Alors, c'était quoi tes plans égoïstes au début? Certaines questions sont mieux quand elles ne sont pas répondues. Ma princesse, je veux que tu saches que l'amour peut arriver à n'importe quel moment. Peu importe l'endroit, n'importe où, aucune raison. L'amour est comme une pluie inattendue qui donne la joie et le bonheur dans la vie de tout le monde. L'amour et les sentiments viennent naturellement. On ne peut pas l'échapper. Princesse, tu ne m'as toujours pas dit ce qui ne va pas ou ce qui se passe. Ma chère, j'ai été arrêtée par l'amour. Mon âme a été capturée par quelqu'un qui m'aime sincèrement. Je n'aurais jamais imaginé que Dieu allait me connecter à mon partenaire de vie à travers cette compétition. Je ne comprends toujours pas ce que tu dis. Je suis amoureuse de lui. Je l'aime sincèrement. Emeka. J'aime Emeka. Mais je suis en colère contre lui. Très en colère contre lui. Pourquoi es-tu en colère contre lui? Je continue de croire que Dieu t'a créé pour que je t'aime. Il t'a choisi parmi toutes les autres parce qu'il savait que j'allais t'aimer le meilleur. Je suis entré dans ta vie et j'ai réalisé ce qui était le véritable amour. Tu m'as donné un nouvel espoir et m'as montré ce qu'était l'amour. Pour toi, je traverserai les rivières les plus grandes et marcher sur les sables chauds du désert pour t'avoir à mes côtés. Car tu m'as fait me sentir bien. Tu as gagné mon cœur et tu as touché mon âme. Tu veux que je te laisse seule? Emeka,
Tu as changé. Tu as complètement changé. Est-ce que tu essayes de me blesser? Parce que si c'est ce que tu essaies de faire, car si tu essayes de me blesser maintenant, je veux que tu saches que tu ne t'en sortiras pas comme ça. J'ai vraiment déjà beaucoup, beaucoup sacrifié pour que tu penses que tu peux me blesser. Tente-moi. Provoque-moi et je te tuerai de mes propres mains. C'est une promesse. Mes anciens. Hmm? J'ai une confession à faire. Vas-y. Ok, vas-y, vas-y. Je suis la véritable princesse de ce royaume. Ah, comment? De quoi parle-t-elle? C'est une blague. Eh ben... De quoi est-ce que tu parles? Ma princesse, je sais que c'est vraiment dur et douloureux de perdre un père bien-aimé. Je veux dire, depuis que nous sommes rentrés au Nigeria, tu n'as pas arrêté de pleurer et de te morfondre. Même quand nous étions à l'étranger, tu n'as pas arrêté de pleurer à cause de la mort de ton père. Chimamanda, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as été une très bonne amie pour moi. Tu m'as suivie depuis l'étranger jusqu'ici au Nigeria juste pour me consoler. Et cela compte beaucoup pour moi. Merci beaucoup pour tout. J'apprécie. Merci beaucoup pour tout. Ok. Je veux dire, à quoi servent les amis? Tu sais ce qu'on dit? C'est dans le besoin que l'on reconnaît ses vrais amis. Merci. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu fasses pour moi. C'est très important. Et j'en serais très reconnaissante si tu le fais pour moi, du fond de mon cœur. Tu sais que je peux tout faire pour toi? Qu'est-ce que c'est? Ok. Je veux que tu me suives dans mon village en tant que la princesse. Je sais que c'est ridicule, je sais que c'est fou, mais je veux que tu fasses ça pour moi. C'est très important pour moi, s'il te plaît. Quoi? Pourquoi? La tradition dans mon village dit que je dois me marier à un homme du village. J'ai quitté le village quand j'étais encore une enfant. Je ne connais personne là-bas. Et je ne peux pas juste aller dans la rue pour choisir n'importe qui pour le mariage. Alors je veux que tu fasses ça pour moi. Alors je veux que tu te prennes pour la princesse et moi en tant que ton assistante personnelle. Comme ça je pourrai trouver mon véritable amour, s'il te plaît. S'il te plaît, ne dis pas non. Juste, lève-toi. Vas-y, lève-toi.
Tu veux te moquer, n'est-ce pas? Lève-toi. Lève-toi, je veux voir si... tu en as trop fait. En passant, je l'aime bien. De toute façon, j'aime ta chemise. Il n'y a que ta jupe. Eh bien, c'est pas mal. Et tu sais quoi? Autre chose. Ok. Tu vas devoir changer ton accent. Oui, ma princesse. Tu me sens, mais tu vas pas te démasquer. Pas de quoi. Je ferai tout ce que tu voudras, ok? Merci une fois de plus. Merci d'avoir fait ça pour moi. Arrête de me remercier. Ok. Oh, le taxi est déjà là. Ok, alors, tu es prête? Je suis prête si tu es prête. Allons-y. Le village. Nous arrivons. Bah ouais. Hein? Elle est du sang royal? C'est ce qu'elle vient de dire. Je suis princesse Amarachi Victoria Mwago. Je t'assure, ces jeunes gens. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis la princesse de ce royaume. Je me suis déguisée en l'assistante personnelle de mon amie Chimamanda pour que je puisse trouver mon véritable amour. Si je m'étais révélée en tant que la véritable princesse de ce royaume, qui sait, peut-être j'allais tomber sur un gigolo qui voudra rester juste pour l'argent et la royauté. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas. Je veux également profiter de ce moment pour remercier Dieu d'avoir utilisé cette compétition pour me révéler comment le défunt roi Francis Mwago, mon père, est mort. Comment? Comment? Il a été empoisonné. Quoi? Par qui? Par personne d'autre que cette égoïste, dégoûtante, Jezabel. Rien. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Princesse, tu ne m'as toujours pas dit ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Ma chère, j'ai été arrêtée par l'amour. Mon âme a été capturée par quelqu'un qui m'aime sincèrement. Je n'aurais jamais imaginé que Dieu allait me connecter à mon partenaire de vie à travers cette compétition. Je ne comprends toujours pas ce que tu dis. Je suis amoureuse de lui. Je l'aime sincèrement. Emeka. J'aime Emeka. Mais je suis en colère contre lui. Très en colère contre lui. Pourquoi es-tu fâchée contre lui? Comment puis-je t'aider? Pourquoi es-tu silencieux? Princesse, j'ai quelque chose à causer avec toi. Oh, je vois. Assieds-toi. T'es pas un étranger ici. Assieds-toi. Assis. Merci. Merci. Mais de rien. Alors, de quoi est-ce que tu veux me parler? Ma princesse. À part la compétition qui s'est déjà passée, Je vais te dire que ce que je ressens pour toi, c'est le véritable amour. Oui, au début, je ne t'aimais pas, mais j'étais seulement concentré sur mon intérêt égoïste et je ne pouvais jamais imaginer que j'allais tomber amoureux de toi. Je vois. Alors, comment es-tu sûr que l'amour que tu ressens pour moi maintenant est sincère?
Princesse, ouvre ton cœur et écoute attentivement. Ça chuchote. Ton cœur ne pourra jamais te mentir. Ok, alors, c'était quoi tes plans égoïstes au début? Certaines questions sont mieux quand elles ne sont pas répondues. Ma princesse, je veux que tu saches que l'amour peut arriver à n'importe quel moment. Peu importe l'endroit, n'importe où, aucune raison. L'amour est comme une pluie inattendue qui donne la joie et le bonheur dans la vie de tout le monde. L'amour et les sentiments viennent naturellement. On ne peut pas l'échapper. Tu ne m'as toujours rien dit. Pourquoi es-tu silencieuse? Pourquoi es-tu fâchée contre lui? S'il n'était pas tombé amoureux de moi, il ne m'aurait pas parlé de leur plan maléfique. Plan maléfique? Ok, alors, je veux savoir ce que tu comptes faire. Souviens-toi, je suis la véritable princesse. Ok, la véritable princesse. Emeka m'a dit que la reine, ta marraine, a empoisonné le roi. Quoi? Princesse, c'est quoi le problème? Tu as dit que tu prêtais toute ton attention à tes plans maléfique. Quels sont ces plans maléfiques? Dis-le-moi, si tu m'aimes vraiment. Ah, eh bien, tu mérites de connaître la vérité. Ta marraine, la reine, était ma copine. Après qu'elle m'ait laissé pour épouser ton père, le roi. À cause de son statut et sa richesse. Il ne l'a jamais aimé. Et elle a finalement empoisonné le roi. Oh mon Dieu! Dis-moi que c'est un mensonge. Non, pas du tout. Mince! Elle a également joué à d'autres sales jeux pour s'assurer que je sorte vainqueur de la compétition. Mais elle ne t'a jamais soutenu quand tu as été accusé d'avoir volé mes bijoux. Oui, parce qu'elle voulait être juste et prudente en même temps. Est-ce que tu sais que son prochain plan est de te tuer quand il serait couronné comme prochain roi de ce royaume? Quoi? Mince! Maintenant tu vois pourquoi je suis en colère contre lui. Tu crois être la seule personne pouvant surveiller les gens, n'est-ce pas? Je te surveillais et je t'écoutais aussi. Chacune de tes conversations. Je t'ai écouté à travers un micro enregistreur. Quoi? Tu te demandes où c'était? Sur sa couronne. Hey! Ah!
Tu vois, effectivement, elle avait vraiment raison. Regarde, le voilà. Officier! S'il vous plaît, amenez cette femme hors d'ici. Madame, avancez. Attendez. Avancez. Vas-y. Avancez. Je... Allez-y. Va-t'en d'ici. Allons-y. Je vais... Allez, ok. Attends, oui. Dégage d'ici. Je suis désolée. Dégage, immédiatement. Madame, par ici. Allez, par ici. Officier, emmenez-la. Emmenez-la, immédiatement. Je suis désolée. Va-t'en. Ne perdez pas de temps. Allons-y. Allez, avancez. Ce n'est pas croyable. Allez, par comment est-ce allez, qu'elle a pu chez vous. Officier, emmenez-la. Emmenez-la. Nous réglerons ton problème plus tard. Plus tard. Nous réglerons ton problème plus tard. Mes anciens. Oui. La meilleure partie de cette compétition est que ça m'a aussi révélé l'homme qui m'aime pour qui je suis. Et pas pour ce que je suis. Qu'est-ce que cela peut être? Ebuka. C'est pas vrai. Tu veux parler d'Ebuka? Ebuka, je le connais très bien. Ebuka. Ebuka que voici est l'homme que je veux. Ok. Et j'espère que vous allez tous l'accepter, tout comme mon cœur. L'a accepté. Mais que pouvons-nous dire? C'est sans doute la décision des nous dieux. Nous sommes d'accord. Qui sommes-nous pour nous opposer nous sommes d'accord avec notre prochain roi. Aura! Oh, Kwebi! Aura! Afoué, Kwebi! Qu'est-ce que tu fais? Embrasse-le. Hé! Hey. Qui aurait cru que Adora était la réelle princesse? Je t'assure. Elle a vraiment très bien joué son jeu. Si seulement je le savais, je n'allais pas être impolie avec elle. Me pardonnera-t-elle un jour? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans ses pensées. C'est évident que toutes les deux seront renvoyées pour être tombées enceintes de Victor l'Américain. Ah. Nous devons réfléchir sur comment prendre toute la responsabilité de nos futurs bébés, hein? Tu es stupide? Tu t'attends à ce que je sois ta co-épouse? Je suis la seule femme de Victor. Mon mari ne peut pas avoir deux femmes. Regardez à qui je parle. Il serait mieux que tu affrontes la réalité. Viens faire face à la réalité. Nous sommes co-épouses. Notre mari, c'est si simple que ça. Tu ne veux pas accepter la vérité. Hey! Je suis très contente pour vous. Tu sais, tu es la véritable définition d'une vraie amie. Je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci beaucoup, ma meilleure amie. Merci. Ce sont les œuvres du Seigneur. Qu'aurais-je fait sans lui? De toute façon, nous comptons retourner aux États-Unis. Très bientôt. Ok. C'est vraiment génial. Je suis très contente pour vous deux. Merci. Vous formez un beau couple. Ma reine. Altesse. Je suis vraiment désolé d'avoir conspiré contre votre famille. Sincèrement, je regrette absolument tout. C'est bon. Tout ce qui compte pour le moment, c'est ta repentance. Alors, je te pardonne. Merci. En fait, les gens qui trouvent le bonheur sont ceux qui ne font pas des compromis. Mm-hmm. Quand c'est brisé, ils les arrangent. Quand c'est mauvais, ils font du bien. L'homme idéal, en fait, a la grâce d'affronter toutes les circonstances. Celui qui s'engage à faire du mal, un jour, sera blessé par ce même mal. C'est ça la loi du karma. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de t'éloigner des ennuis et d'avoir la paix du cœur le reste de ta vie. Oui. Tu y as bien parlé, Altesse. Que tes jours soient longs. Et c'est... Alors, trinquons.
trinquant, un nouveau départ. Santé. À l'amour. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. What a greedy, what a jealousy, jealousy, you see, Abu Balala. What a greedy, what a jealousy, jealousy, you see, Abu Balala. Abu Balala, Mano Chirayapa. She's our queen, but she's not satisfied. Abu Balala, Mano Chirayapa. She is a winner, but she's not satisfied. She is not satisfied at all. Otole nunana, go well nunana. She wants everybody out of the way. What a greedy queen. What a greedy, greedy. What a jealousy, jealousy lady. You see, Abu Balala. What a greedy, greedy. What a jealousy, jealousy lady. You see, Abu Balala. Abu Balala, Mano Chirayapa. She's our queen, but she's not satisfied. Abu Balala, Mano Chirayapa. She is a winner, but she's not satisfied. Speak out the truth, to save the community. In the God, never you'll be afraid to raise your voice for honesty and truth. Be compassion against injustice and lie and greedy. If I want to give them so, what would I buy out? If I let my wish, if I want to get on Susan, who put the fun down? If I want to get on Susan, who put the fun down? If I want to get on Susan, who put the fun down? If I get that one, I can walk everyone. If I want to get on Susan, who put the fun down? What a greedy, greedy. What a jealous, jealousy lady. You see, Abu Balala. What a greedy, greedy. What a jealous, jealousy lady. You see, Abu Balala. Abu Balala, Mano Chirayapa. She's our queen, but she's not satisfied. Abu Balala, Mano Chirayapa. She is a winner, but she's not satisfied.